la chasse aux invaders à Raven. Alors la moto elle est garée juste là-bas et le premier invader est juste là. Donc on va le flasher tout de suite. J'ai un téléphone pour flasher les invaders et partager la connexion, et un téléphone pour regarder les commentaires. Donc on va commencer. J'essaie de réduire la luminosité au max partout. Et c'est parti. Alors voilà, premier invader ici sur cette porte. Je sais pas si vous pouvez bien le voir. Juste là au-dessus. Voilà, je vais choper. Il y a un peu de vent. Alors du coup, on sort le téléphone. Là c'est luminosité ici. Hop, un peu plus, voilà. Est-ce qu'on va le trouver comme ça? Not made by invader. Ah, c'est vrai qu'il y en a un qui a été réactivé et pas mis au même endroit. Est-ce que c'est celui-là? Je ne sais pas. On va réessayer un coup. Non, celui-là apparemment il est pas bon. Bon, tant pis. J'ai une carte avec tout ce qu'il me faut. Par contre, du coup, le dilemme c'est que il faut assez de batterie. Le gros problème de la journée, ça va être le fait d'avoir de la batterie. Alors voilà, donc là je charge la GoPro pour le moment, puis j'alternerai GoPro et téléphone. Alors, du coup, celui-là apparemment pas bon. Ah oui d'accord, dead, effectivement, je l'avais marqué. Par contre je suis venu ici et je suis garé là, bon ben, y en a un là-bas. Bon, on va pas faire la zone bien centrale dès le début. Du coup, celui-là, il est plutôt par là. Hop, comment je peux aller par là? On va avoir une petite roue mignonne là. On va aller se promener tranquille. Bon, du coup, là, j'ai pas trop besoin de celui-là. Je peux le fermer. Ouais. Voilà. Permet de démarrer le. Ah oui d'accord, c'est vrai que je reçois les notifs, je les reçois là. Alors, est-ce qu'il y a moyen de passer tranquille, sans gêner personne, sans arriver dans une propriété privée par ici? Ah non, c'est pas bon ça. Bon ben on va manger par où alors du coup? Tout. Par au-dessus, ça m'a l'air mieux, hein, ouais. C'est bizarre parce que là ils disent qu'il y a des petites ruelles. Ah non, d'accord. Alors, est-ce que ça a été mis sur Facebook là? Sur mon mur. Donc, voilà. Oui, donc effectivement, bah, bon, là, la photo que j'ai mise pour annoncer le live, c'est une photo d'un invader qui ne sera pas flashé. Mais c'est pas grave. En fait, il a été réactivé par quelqu'un qui l'a pas mis exactement au bon endroit. Et donc, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est assez tricky, ces petites choses-là. Donc là, on va longer là. On va en faire un qui est un peu à l'extérieur de la ville. Voilà, le temps d'arriver là-bas. Le temps de lancer un peu le stream. Et comme ça, quand je serai dans la zone où il y en a plein, mais il y aura peut-être un peu de monde sur le stream. Bon, il est tôt, hein. Il est tôt, 8h51, c'est pas mon habitude de streamer à la sortie. On a, je pense, une quarantaine d'invaders à choper, à flasher. Et il y en a qui sont en dehors de la ville. Notamment, ben là, enfin, celui-là, il est un peu, enfin, il reste dans la ville. Il est à distance de marche. Il y en a en fait 3 qui sont au niveau du port. Ils seront probablement pas inclus dans le live parce que je vais pas couper le live et relancer le live le temps d'aller au port. Je le ferai à la fin. Mais donc voilà. Est-ce qu'il y aurait pas moyen d'aller par là pour plus avoir les voitures? Je pense que si. Cortex.
Voilà, parfait. Alors, on va marcher jusque là. Ah ben non, ça va être un cul-de-sac après. Ah ben tant pis. Bon, je suis obligé de passer par là. Cette zone-là à traverser de manière un peu bizarre, mais je pense que ça va être mieux de traverser là. Et donc là-bas derrière le pont, en fait, on est à ma droite. Il y a ce gros bâtiment là sur lequel il y a quelques tags, ils sont pas fameux. Et donc on pourra trouver la suite, le Lindwedder de l'autre côté. Il y a un gros bâtiment là aussi, un bâtiment qui a l'air d'un ancien bâtiment de guerre, une espèce de gros blocos. Mais je ne sais pas ce que c'est. C'est marrant qu'il y ait des invaders. Enfin, après, il en met un peu partout. Hein. En fait, Raven, la raison pour laquelle il y a des invaders à Raven, c'est parce que apparemment, c'est vraiment la ville, l'espèce de capitale de la mosaïque. Et il y a notamment un musée de mosaïque, je pense, qui sera peut-être ouvert, que je pourrais peut-être visiter. Mais si je le visite, je ne serai certainement pas en live pendant la visite. Je vais peut-être le faire à la fin. Et il y a notamment un invader sur le musée, à l'entrée du musée, hein, caché dans la porte d'entrée. Mais donc voilà. Alors ce gros bâtiment-là, est-ce qu'on a des infos? Apparemment un cinéma. Une marque cinéma El Pato. Ok. Oula. Attention, il y a des cyclistes qui passent vite. Je ne regarde pas devant moi. Danger, danger, danger. petit à petit compte de la quantité de choses nécessaires pour faire un live de la sorte. En plus que j'ai ma caméra à côté. D'ailleurs, j'ai ma caméra, mes deux téléphones, ma GoPro. Ça, c'est pas un peu de l'overkill. Pourquoi lui, il bouge, il m'énerve.
Ah d'accord, faut que je resserre ça. J'ai la clé qu'il faut. Bon, c'est pas très gênant pour le moment. Mais... Donc, l'invader devrait être quelque part ici. Ah oui. Je me rappelle. C'était quelque part dans le parc, là, ici, à gauche. Enfin, plus ce que ça peut être. Après j'ai les références et tout, hein. Je sais les rechercher avec l'accès à internet et tout. Du coup ici, ah bah tiens, je sais pas, je l'ai déjà passé en vrai, il est ah il est sur le pont de, c'est fou ça. Le pont il a l'air tout neuf, s'ils ont refait le pont il y a des chances qu'il ait déjà été détruit. Alors du coup c'est le 29, c'est le 29, on va aller voir sur Spotter Invader. Spotter Invader, hop, hop, ville, et on va aller à Raven. Hop là. Le numéro 29. Hop hop hop. Je regarde un peu ici. 20. 20. 29. Ah ben non, mais il est détruit. J'ai oublié de le marquer, il est détruit. Ok d'accord. Ouais. Donc ils ont effectivement refait le pont ici. Donc celui-là il est détruit. Bon, je suis venu ici pour rien. Ça commence à m'énerver cette affaire. Alors est-ce qu'il n'y en a pas un autre dans ce coin-ci? Non. Bon, je vais me diriger par là. Mais de l'autre côté, ah, quand même. Ah bon. Parce que, ouais. Ouais, parce que sinon je dois retraverser les trucs et tout. Oh là là. Bon, je ne m'y prends pas bien, je n'optimise pas mon temps. Ce qui n'est pas très très grave. Mais bon. Ouais, peut mieux faire, peut mieux faire. Donc avant ici sur ce pont là, sur lequel je marche, il y avait un invader qui n'est malheureusement plus actif, qui n'existe plus. On repasse donc à côté du fort qui apparemment sert de cinéma maintenant. Étrange, enfin, après il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris au terme de cinéma en italien, ça m'étonne rien. Ouais, donc il va falloir traverser, il n'y a pas de voiture, on fait ça à la sauvage, ça marche comme ça ici. Et là, dans ce sens-ci, il y a toujours des voitures, enfin dans l'autre sens. Là on a un trou, vite, 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 vite. Hop là. Je me demande s'il y a pas moyen, mais j'ai peur de prendre le risque de me retrouver à nouveau dans un cul-de-sac. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de longer le chemin de fer? Parce que là je dois aller un qui est près de la gare. Là ils ont fait un petit chemin que les gens ils descendent. Il y a un petit parc. Si, il y a l'air d'avoir des gens qui marchent par là. Dans ce sens là. Je sais pas jusqu'où on va aller. Bon allez. À l'aventure compagnon. Oui c'est vrai, j'ai pas changé la catégorie du stream. J'y pense qu'en disant à l'aventure compagnon. C'est bien sûr un stream exploration. Mais je peux changer ça sur ce téléphone là plutôt. Hop. Éditer catégorie exploration.
C'était Outdoors. Outdoor. Non. Et... C'est quoi le nom de cette catégorie? Ah, j'ai déjà fait des lives en plus avec cette catégorie là. Ouais, normalement c'est outdoor. Ah, travel and outdoors, ok. Travel and outdoors. Update. Du coup, ah, il y a un parc pour les chiens. Mais on va pas pouvoir marcher là le long. Bon, bah tant pis. Encore un fail. C'est de l'exploration, hein, je l'ai dit. Là, tout le reste, on n'a pas le droit, on n'a pas l'accès. Bon, retour sur le stream. Disconnected from chat. J'étais un peu déconnecté du chat pour mettre ça à jour. Donc, s'il y a des gens qui ont dit des choses, n'hésitez pas à répéter. Tout, 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 tout. Que je me mouche en vrai. On va faire à la japonaise. Bon, on peut monter là. Ouais, bon, on va se débrouiller. Ah bah il y a un petit coin, un petit passage. Hop 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 hop. Voilà. Bon, ce coup-ci je devrais pas être HS. Ça nous permet de longer. Bah, j'essayais à chaque fois un peu d'éviter les bagnoles, mais ça nous permet au final de longer cette forteresse ici à ma gauche. Je sais pas si vous la voyez bien, mais c'est une grosse citadelle de briques. C'est impressionnant avec les armoiries de les différentes sont représentées par des lions. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Pas un petit fort. Hein. Bien visible. Alors moi, dans ma ville natale, il y en a un comme ça, mais il a été enseveli en fait. Sous la terre. En grande partie. Parce que une fois que les boulets de canon sont arrivés, il y a l'utilité d'avoir des forteresses comme ça. Ah d'accord, on peut aller promener à l'intérieur. On ira peut-être si quand j'aurai fini les vidéos. Il y a un parc dedans, c'est cool. Une espèce de citadelle avec un parc dedans. Et donc moi je disais, la citadelle de ma ville a été ensevelie parce que en fait les murs en pierre, ben, ça arrête moins bien les boulets de canon que la terre. Du coup il y a des citadelles sujettes aux attaques de boulets de canon qui ont été ensevelies sous la terre. En partie en tout cas. Bon. Attends,
parce que j'aime pas faire de la concurrence aux gens. Mais bon, c'est un monde libre. Twitch est un monde libre. Hop, hop, hop. Donc, on avance. On arrive ici au bout du parc. Tourner à gauche. Et longer les chemins de fer pour arriver à la gare. Et près de la gare. Comme souvent, c'est souvent le cas en fait dans les invasions. Dans les invasions de Space Invaders. La plupart du temps, il y a un invader à la gare. Enfin, en tout cas à côté de la gare, souvent sur les passerelles qui permettent de passer par-delà les routes. Et pas mal du tout, hein, cette. Pourtant, on voit qu'il y a des petites briques qui ont été subtilisées par-ci par-là. Mais elle est quand même en. Je vais pas dire en bon état, mais. On voit bien à quoi ce que ça donne. Elle n'a pas été trop attaquée. Quoi. Parce que souvent en fait, les bâtiments dans le genre, pour ne pas devoir aller refaire de la du minage et des carrières, etc., ils récupéraient les briques, ils récupéraient tout le nécessaire. Afin de construire des maisons, de faire d'autres choses. Parce que, encore une fois, j'ai envie de laisser par là à gauche, mais je sens que ça va être un cul-de-sac. Ravenne, c'est la ville des cul-de-sacs pour les piétons. J'ai l'impression. Voilà, non, de toute façon, voilà, il n'y a pas de chemin sur Google. Et donc ici, on marche encore une petite centaine de mètres. Et on va enfin avoir le premier invader. Premier invader avec lequel j'aurai droit donc à 100 points supplémentaires, 100 points cadeau pour la nouvelle ville qui est Ravenne. Parce que ben, je n'ai pas encore, c'est la première fois que je mets les pieds ici. Je n'ai donc pas encore eu l'occasion de flasher d'invader à Ravenne. Je recevrai donc les, je sais pas, 20, 30, 50 points du invader. À mon avis, ça sera peut-être un 20 ou 30, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus la taille qu'il a. Mais voilà. Et donc une fois que. Et en plus de ces 30 points, par exemple, j'aurai 100 points pour la nouvelle ville. Hein, je suis actuellement, pour ceux que ça peut intéresser, même s'il n'y a pas grand monde, hein, mais éventuellement pour les replays et tout. Je n'ai actuellement 565 et je suis à 18 500 points. Ce qui me place, et moi ça me fait un record pour dire, pour savoir où je suis. Donc, ce qui me place 3085e sur 140 000, je sais plus. Enfin, sur plus de 140 000 personnes qui jouent à l'application. Et donc on va continuer ça. Petit à petit, monter. Peut-être un jour arriver dans le top 100. Parce que le top 100 c'est le top qui est visible par tout le monde. Parce que là, on peut rajouter des amis. Ah bah tiens, il est là. Ah bah il a été réactivé celui-là. Parce que pour moi, il était... Non, j'ai bleu. Il y en a un très beau là. Ça va être du 50 points, peut-être même 100. Je sais pas si vous le voyez là, juste au-dessus. Qui dit Ravenne avec une dame qui porte un joli accoutrement. Donc, on va sur l'application. Je vais augmenter la luminosité du téléphone au cas où pour que vous voyez éventuellement. Ici, on fait comme ça. Hop, on se calme. Et c'est du 50 points bonus, ça me fait 150 points. Et on va prendre quelques photos et quelques vidéos surtout avec le téléphone, avec l'appareil photo. Voilà. Donc, ça c'est fait. Je mets le chat dans ma poche vite fait. Et je sors l'appareil photo. Souvent j'aime bien essayer. Ah bah tiens, on va pouvoir mettre Totoro sur la boîte électrique. Faire des petites photos pour Instagram.
Et les petits centimes, vous voulez des petits centimes? Non. Mon animal. Oula, j'ai pas énormément de batterie sur l'appareil photo parce que j'ai fait un timelapse tout à l'heure et je pense avoir oublié mes batteries à la maison. Là, on va faire une petite photo comme ça. Et on va filmer un petit peu. Donc on monte la gare. Et ensuite on fait un petit zoom ici. Voilà. Hop. Il faudrait que je regarde dans le sac à dos. Bon, ça je verrai si je ne mange plus de batterie. Je regarde dans le sac à dos pour voir si j'ai pas mes batteries d'appareil photo. Ça serait dommage. Pas les avoir prises, mais ça ne m'étonnerait pas de ma part. Voilà. Ok. Donc, celui-là, c'est fait. Hop. Normalement, je les marque, mais je vais pas prendre le temps de faire ça. On va juste les retenir. On va continuer par là. On va faire tout le tour de la ville. Comme ça. Puis après, on ira faire ce parc-là. On va faire un peu l'escargot autour de la ville. On a vu là-bas 21 et 22. Donc déjà 150 points sur ce live. Pour souvent à côté des gares maintenant, dans beaucoup de villes, c'est le cas dans ma ville natale aussi. Il y a des endroits ici, c'est vraiment grand hein, parce que dans ma ville natale, c'est tout petit. Des endroits où ils te répartent ton vélo pour généralement pas trop cher. C'est des fois même géré par soit des associations ou par la ville, et donc c'est pas mal du tout, c'est à moindre frais. Et ça favorise le fait de rouler à vélo de manière safe, sans danger. Alors le temps aujourd'hui, il n'est pas fou, un peu gris ici à Ravenne, mais au moins il pleut pas, donc ça c'est nickel. Je suis content tant qu'il pleut pas. Ville assez verte, on voit les deux arbres le long des avenues, en tout cas sur celle-ci, hein, bien sûr. Mais ça a de la gueule. En termes de taille, ça, je vais beaucoup le comparer à ma ville natale parce qu'en termes de taille, j'ai vraiment l'impression que c'est assez similaire. Quoi. Ça doit être environ 70 000 habitants, entre 50 et 70. Avec de la campagne autour, etc. Ça me fait beaucoup penser à ma ville natale, où je devrais retourner d'ici un mois. Hein, ici, on arrive au carrefour, et à ce carrefour-là, il y en a deux. J'en vois déjà un, sur le coin là-bas en face, et il y en a un autre ailleurs. De faire des plans vidéo où j'arrive à en caser deux sur un seul plan vidéo. J'aime souvent bien. Alors. Le deuxième il est là-bas. Oh. Ah oui, le Fashion Store. Ok, bon, on va déjà faire le plan vidéo. Donc je suis ici.
Donc ici là au coin, on va commencer en mode zoom dessus. On dézoome. C'est le changement et on rezoome. Voilà. Là, il y a un train qui va passer. Donc le train il passe, ça veut dire qu'il n'y a pas de voiture. Enfin, je vois pas de voiture, il va y avoir de voiture. Est-ce qu'on se met pour aller flasher celui-là? Hop. Pipipim. Bon là il y a une grosse boule, on ne le voit plus. Là, est-ce que je peux arriver à le choper comme ça? Le petit bruit significatif, 30 points supplémentaires, ça nous fait 180 points pour ce numéro 21, et on a le 22, parce qu'on va pouvoir le choper avant que le train ne passe. Ah, on va faire, je vais faire une vidéo du train qui vient nous cacher le... Il aime souvent aussi faire des invaders qui regardent les trains qui passent. Alors il est où le train? Il est seulement en train de démarrer de là-bas. Bon, on va le flasher en attendant. Encore 50 points, ça nous fait... donc j'étais à 180 plus 50, ça nous fait 230. Alors là, du coup, on monte. C'est une petite vidéo de l'invader. Les gens qui sont bloqués et du train qui va passer devant l'invader. Restez stable. Hop. J'aurais peut-être dû filmer jusqu'au bout, ça aurait pu être fun aussi. Mais tant pis, c'est trop tard. On va pas attendre le prochain train pour faire là-dessus. Alors, il y a de la communication sur le chat. Toujours pas. C'est peut-être un peu tôt pour vous, hein. Vous dormez encore tous. Bande de feignants. Donc, la suite. Vas-y, vas-y, monsieur. Hop. On est gâté là sur ce début de Raven là. Déjà de, en quoi 3 invaders 280 points. C'est pas dégueu. Alors là, ben là on va continuer dans ce sens là. Et il y a un petit parc. Il y a un invader dans le parc et deux autres à côté. Alors ça, bon, bah, toujours sur, j'ai toujours des critiques des pistes cyclables. Après, ça dépend la manière de rouler des gens, en fait. C'est que la manière dont moi je roule à vélo, ben, c'est pas prévu pour partager avec les piétons, parce que je deviens dangereux pour les piétons parce que je roule assez vite. La dame là qui arrive, elle roule vraiment tranquille. Et donc il n'y a pas de problème. C'est le cas par exemple dans beaucoup de pays asiatiques. J'ai passé quelques jours à Shanghai. Et à Shanghai, j'étais en skateboard, en longboard. En poussant mon longboard, j'allais plus vite que les cyclistes. Ce qui est de l'impensable en France. Quoi. En France, il n'y a que les mamies que je rattrape à vélo. Et ici, en Italie, ils ont l'air de rouler un peu tranquille aussi, à la japonaise, j'ai envie de dire, à l'asiatique, à vélo. Du coup, dans ce cadre-là, si tu sais que tout le monde roule comme ça, tu peux faire un passage où les gens partagent les deux. Mais ça n'empêche que, bah, du coup, les gens qui roulent un peu plus vite à vélo, qui ont soit plus de force ou les vélos électriques et compagnie, bah, ils se retrouvent à soit être sur la route avec pas d'infrastructure du tout, parce que oh, bah, on a fait un passage où vous pouvez aller, mais vous mettez en danger les piétons. Du coup, c'est pas. Enfin, je trouve pas ça. Pas ça. Mais bon. Ça dépend vraiment beaucoup des cultures, des façons de rouler, de plein de choses.
que par contre, les Italiens sur la route, ça y va. Hein. Pas une légende. Hein. C'est pas une légende. Je me suis limite senti en danger des fois. Je devais un peu accélérer moi-même pour pas être trop en danger. Alors où est-ce qu'il est, cet invader là? Ah, ce serait-il pas le musée justement? Non? Je ne sais pas, non. Parce que c'est déjà à ce niveau-ci du parc. Ce serait peut-être bien celle du musée là. Ici, non? Je sais pas. Là, normalement, il y aurait le... Ah oui, le 01. Oui, effectivement. Je vois la porte métallique. À l'intérieur de cette porte métallique-là, il y a les colonnes. Et là-dedans, il y a le invader numéro 1. On va donc y aller tout de suite. Très joli parc. Avec une belle bâtisse ici. Il doit être une église. Une église qui est peut-être incorporée au musée, ou quelque chose comme ça. Et donc vous voyez en fait la petite fontaine là, juste là-bas derrière là où vous voyez les colonnes normalement. Eh bien il y a derrière ce portail, il y a un invader. On va faire de la petite vidéo là, parce que c'est vraiment joli. Malgré les nuages un petit peu. Franchement j'aime bien, j'aime beaucoup. Là, c'est très très vert. Là, je demande des conseils à mon frère un de ces jours pour savoir exactement dans quelles circonstances utiliser quoi. On peut pas ici dedans, on va avoir un ligne dedans. C'est vrai que j'ai déjà pas mal sollicité la caméra ce matin. J'espère pas tomber à court, au pire je serai avec le téléphone, à cause des téléphones ils vont aussi prendre cher en batterie. Vraiment j'essaye de retrouver ces batteries de l'appareil photo, ça me paraît étrange de les avoir oubliées. Photo de l'église, je viens faire des photos de l'église pour un pote. C'est pour un pote hein, c'est pas pour moi. On va passer de l'autre côté, des gens qui font du yoga. J'ai l'impression qu'on fait du bien. En plus, on peut le voir, voilà. Ouais. Là, hein. Pas mal du tout. Il y a une plaque de phare à l'intérieur, normalement. Est-ce que je le vois? Je suis pas sûr. Cette grille. Non. Il y a un truc tout carré là, non? Non. Ah si, c'est cette grille-ci. En vrai. Où est-il? Ce serait une autre porte. Un autre endroit. Bon, on va regarder. Le téléphone du chat s'est mis en veille, je sais pas si j'ai loupé des messages, non. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Hop, alors le Raven numéro 1. On retourne sur Spotter Invader. Ah non, ah d'accord, le numéro 1, c'est en fait celui qui a à côté du truc, l'espèce de planétarium. Qui va être juste ici à côté, non? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien le numéro 1 que j'ai marqué ici? Sur la carte, ouais. Ah oui, d'accord, c'est ce bâtiment. Rien, complètement à côté de la plaque. Encore une fois. Pourtant, j'ai bien fait mon repérage, hein, savez-vous, mais c'est juste quand j'arrive sur les lieux. Ben, comme j'ai fait le repérage il y a un moment, je suis pas sûr de tout. C'est donc sur ce bâtiment-là, qui est un espèce de petit planétarium,
Et là, c'est un énorme invader à 100 points qui est magnifique avec Spock, je pense, intégré sur le sur l'invader. Une très très belle pièce. Je voyais beaucoup plus grand le planétarium. Et alors la pièce, elle va être juste là. Je pense que je viens d'en voir les carreaux. Ah ouais, c'est vraiment des grands carreaux en plus. Ah, c'est vraiment beau. Il est vraiment beau. On a presque envie de monter sur le toit du bâtiment pour pouvoir le voir de plus près. Vous allez le voir maintenant, je vais me retourner. Vous voyez ? Oui, une très belle pièce que je vais donc scanner de ce champ. Et me faire 100 points supplémentaires, remonter à 380 en quelques invaders. J'ai rarement fait autant de points aussi vite. Spock is in the place. Nous y voilà. On va donc faire une petite vidéo. Comme ça, bon, j'ai vraiment du mal à faire des trucs un peu smooth, hein, moi. Je suis vraiment mauvais à faire ça. Spock, c'est genre hyper. Ça a été assez smooth. Nous y voilà. Donc, numéro 1 fait. Ça la suit, c'est vraiment une très belle pièce. Ah oui, c'est vrai que je fais pas cette photo souvent. Je vais faire une petite photo là. Je vais la mettre sur Instagram d'ailleurs. Petit hop sur Instagram, bim bim bim. Off to a good start. Sur ma story. Voilà, est-ce que j'ai toujours reçu le message? Parce qu'il y a des gens dans le chat. Je suis en train d'ignorer parce que j'ai pas le bon téléphone en main. Non, tout pas. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Hein. Il y a toujours le replay. Moi, de toute façon, je vais la télécharger cette vidéo parce que c'est un truc chouette. Je pourrais peut-être même faire une chaîne YouTube avec. Ok. Vraiment axé sur le j'y pense depuis un moment de faire une chaîne axée 100% invader. Alors ensuite, donc le 1 c'est fait et là je suis ici. Oula, le machin est un peu bugué, et donc là je vais par là et on va aller récupérer le 40 et le 30 qui sont juste l'un à côté de l'autre. Je sais pas si je peux passer par ces petites ruelles que je vois sur la carte. On va voir ça tout de suite. Je dois avouer aussi que le fait de le faire en stream, ça me fait prendre un peu plus mon temps. Même si au final je vais voir la mosaïque, je vais pas rester 3 heures devant la mosaïque. Désolé, enfin, ils sont jolis, mais j'aime beaucoup le concept et tout. C'est des très belles mosaïques.
pense que celle-là, c'est une, ça va être une de mes préférées maintenant parce qu'elle est vraiment grande et elle est chouette. Enfin, voilà, très belle couleur. Mais bon, je vais pas passer 3 heures à observer chaque mosaïque. Mais le fait de le faire en stream, ça fait que je prends mon temps de prendre mes photos, de live et de commenter un petit peu. Que d'habitude, quand je le faisais, notamment quand j'ai fait Marseille, je me suis un peu dépêché sur certains. Je dois avouer, parce que j'ai essayé de faire tout en une journée. Il y en avait vraiment beaucoup. En plus, j'étais à moto, donc j'allais d'un endroit à l'autre à moto, j'ai marché un tout petit peu, j'ai pas marché comme ça. Mais donc voilà, il y a certaines villes où j'ai fait les villes d'ailleurs, j'aurais pu prendre un peu plus mon temps. Ah d'accord, ok. Je comprends mieux. Je pense que là je suis arrivé. C'est donc derrière qu'on est. Voilà, ouais. Et donc ce petit chemin là, en fait c'est des parkings et tout. Et donc oui, là, ok d'accord, le l'invader qui est derrière la porte, le portail, il va être juste là-bas. Et donc ce bâtiment là qui est donc un musée d'art pas moderne, voilà, un musée d'art des beaux-arts, un musée des beaux-arts. Et juste en dessous des drapeaux là, entre les deux drapeaux, il y a un petit portail qu'on verra mieux quand j'aurai avancé. Ici à notre gauche, on a une belle petite fontaine dans ce petit parc. C'est vraiment un joli petit coin ici, hein, vraiment bien. Parc et tout, des beaux bâtiments, des belles choses, petit planétarium. Et donc là, ici même, à ce petit portail qu'on voit juste ici à ma droite. Yo, Bacol, ça va bien et toi? Ça fait un bail. Ça fait un bail et ça fait tellement un bail que sans vouloir, je ne sais plus, on se connaît de... Ou alors, je reconnais pas le pseudo. C'est peut-être quelqu'un que je connais bien. Donc ici, je suis en chasse d'invader à Raven. Et donc là, il y a un invader, je ne sais pas si tu le vois, ici en haut à droite. Et j'irai peut-être faire la visite du musée après. 7-9 euros. Donc là, on va scanner ça. Oui, 30 points supplémentaires. Ça fait un bail. Et donc, je vais faire quelques petites photos et vidéos de ce invader avec mon appareil photo. Par contre, là, c'est très très noir, très très sombre. Donc, ouais. Il y a trop longtemps, il y a de ça aussi. Ouais, mais du coup on je sais pas, enfin t'es passé sur des streams que je faisais. Je jouais à quel jeu, tu te rappelles? Je suis désolé, hein, j'ai plus de... mais ton pseudo me dit pas grand chose. Parce que je sais que des fois j'ai des potes que je connais IRL et dont je connais pas les pseudos. Mais il y en a que 2-3, du coup maintenant je commence à m'y faire. Et là je dois dire bah cool. Ou alors t'as peut-être un échec sur Twitch, un moyen de changer de pseudo. Là, je sais pas si t'aimes bien l'Italie, voilà, ici on est en Italie, on se promène en Italie. Tout à l'heure j'irai probablement manger un coup dans un bar ou un resto. Ça c'est le luxe de l'Italie pour le moment. Et donc ici, il y a des jolies portes là, il y a des très beaux bâtiments à l'italienne. Et là il y a une très belle petite église, enfin petite, elle est vachement grande. Et normalement juste là au coin, quelque part, voilà, il y a un invader, mais lui il est plus en très très bon état. Je suis pas sûr qu'il flash encore. Quelle ville nasse. Là c'est Raven ici. Alors, bon déjà en plus on est à contre-jour. Même pas ce que mon téléphone il donne à ce niveau là.
Ah, ça va, mon téléphone il donne pas trop mal à contre-jour. On va tenter le scan. Ah non, ça va plus scanner hein, ça. J'ai oublié de prendre mes carreaux pour le réparer. Oui, c'est vraiment triste qu'il l'ait cassé. On teste un coup. On repassera peut-être plus tard pour voir s'il y a moyen de le scanner ou quoi. Peut-être que je regarderai sur un site de référence. Donc ouais, c'est Ravenne, c'est pas très loin, au sud de Venise, je pense. Donc j'ai traversé toute l'Italie d'ouest en est, parce que j'habite à Nice. Et donc je suis ici arrivé hier soir, j'étais du côté de Bologne. J'ai dormi dans ma tente, tranquillou. Et puis voilà, maintenant je chasse des invaders. Je sais pas si tu connais le concept. En fait, le concept c'est des mosaïques. Et donc tu voyages, c'est pas des vacances. J'ai pris 2 jours de congé. J'ai pris vendredi et lundi. Donc c'est un petit peu des vacances. Après j'ai tendance à voyager pas mal, même si les 2 dernières années, je suis resté plutôt dans le sud de la France, mais comme je suis belge, le fait d'habiter dans le sud de la France, c'est déjà un peu exotique, on va dire. Et là, je suis en train d'envisager d'autres voyages, notamment au Japon, si le coronavirus le permet. Moi, je fais des voyages long terme, en fait. Parce que je fais assez peu de voyages ici. Je suis dans la région du sud, je vais de France en Italie et tout. C'est un week-end trip, tu vois, que je fais à moto. Mais sinon, quand je fais vraiment des longs voyages, tiens, c'est marrant, le truc qu'il a sur son vélo, je sais pas, pour transporter quoi. J'ai déjà fait la Nouvelle-Zélande et l'Australie, quand j'étais en Nouvelle-Zélande et en Australie, j'ai fait 1 an dans chaque pays avec le PVT. Et donc là, avec le Japon, l'idée ce serait de déjà faire 1 an d'études du japonais. Donc ça, j'ai déjà fait toute la paperasse pour. J'attends que ça évolue. Quand je voyage loin, j'essaye d'y rester pour un bon moment, pour vraiment découvrir le truc. Parce que c'est au final des voyages que tu fais que quelques fois dans ta vie. Et du coup, le faire en 3 semaines et expédier tout le bazar, ça me plaît pas trop. Mais bon, après, c'est parce que mon métier et mon emploi du temps me le permet, quoi. La façon dont je construis ma vie me permet de démissionner et d'arriver à retrouver du boulot assez facilement. Bah oui. Ouais. J'aime assez. Après, bon, socialement, je vais pouvoir rencontrer du monde. Mais ça va, je m'en sors pas trop mal. Et puis ça me dérange pas d'être seul aussi. J'aime assez bien ma solitude. Ce que je remarque, qui est assez souvent le cas pour beaucoup de streamers, en fait, beaucoup de streamers que je suis, c'est soit des gens en couple, mais après c'est notamment à cause du confinement qu'ils se sont retrouvés un peu seuls. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont juste des voyageurs solo, et puis c'est une façon de s'occuper, de discuter avec du monde pendant qu'on promène tout seul dans une ville en Italie où l'on ne connaît personne. Une belle petite moto Guzzi là. Et donc là, en fait, la traversée hier de l'Italie, je l'ai faite à moto, en prenant que les nationales. J'ai fait 10 heures de moto hier. Et c'était du sport parce que les Italiens, ils y vont bien. Et sinon, toi, tu viens d'où? Quelle est ton histoire? Je parle de moi. C'est un peu des fois les concepts, mais non. Mais vu qu'on est que deux là, tu peux parler. Tu peux y aller, raconter ta vie. N'hésite pas. Si tu es encore là. Alors ici on va en avoir un nouveau, le 39. Au prochain coin qui est là-bas au bout. Ouais. Tu viens de la France, ouais.
Voilà, donc belge, pas français. Normandie. Ok. J'y suis passé vite fait, j'ai pas encore bien visité ce coin-là, je dois dire. Malgré que je suis belge, vu que c'est pas très très loin. C'est forcément un coin où j'ai beaucoup passé de temps. Je vais peut-être avoir l'occasion de le faire cet été, je pense. Mais je vais retourner en Belgique d'ici un mois. Et je vais faire des road trips moto un peu par-ci par-là, depuis la Belgique. Et ça fait longtemps que tu es en Normandie. Ah, il est beau celui-là. Une belle pièce. Si tu le vois. Donc en fait, c'est des mosaïques, des carreaux qu'on voit ici au-dessus. Et donc, avec l'application, ouais, on montre bien la dame que c'est pas elle que je prends en photo. C'est juste. Hop là. Et encore 50 points. On va sortir. 3 ou 4. Oui, c'est 2h30 d'ici. Ou 3 ou 4. Ouais, la Normandie, je pense, depuis la Belgique, c'est pas trop loin. Pour ça, ici, comme je suis dans le sud de la France, je peux aller en Normandie. Alors, on va réduire ça. On va faire un petit plan. Ah, là, il y a une belle porte. Désolé, des fois, je vais mettre mon bras devant la caméra parce que je fais des plans avec l'appareil et du coup, j'ai besoin d'utiliser mes bras. Un zoom out en tournant. Je l'ai mal timé. On va faire plus lentement au niveau du zoom. Là, je suis à mi-chemin. Et voilà. On est mal. Hop là. Ok. Voilà, on en a déjà fait combien? On en a déjà fait pas mal. Hein. T'as déjà été en Belgique, toi, du coup? Alors, galerie. Raven, on a déjà fait 6 sur 40, sachant que les 40 sont pas actifs. Donc, non, jamais. Ok. Bah, il y a des belles choses aussi à voir en Belgique. Après, bon, faut avoir la possibilité de faire la route, ne serait-ce qu'avoir une voiture ou le train, les moyens, etc. Le temps, pas toujours évident. Pierre, je ferai des streams depuis la Belgique, je te ferai visiter si tu veux. Et donc, ça va peut-être être... Non, c'est pas sur la porte là-bas. Donc là, on se dirige vers la porte. C'est une très belle rue, ici à l'intérieur du centre-ville, piéton et cycliste, magasin de design, avec des objets et tout. Mon père, il aimerait bien un magasin comme ça. Je marche un peu en plein milieu de la route parce que je fais que l'Allemagne une semaine. Ok, bah pour aller de Normandie en Allemagne, t'as dû traverser la Belgique, t'as peut-être pas visité, mais tu l'as peut-être traversé vite fait. Moi en Allemagne, au final, bah, j'ai fait un voyage, un week-end à Berlin, où je devais aller voir un concert, mais qui a été annulé, j'étais un peu deg. Mais ça m'a donné l'occasion de voir des amis qui venaient un peu d'Allemagne et d'ailleurs, et qui étaient à Berlin à ce moment-là. Et sinon, j'ai fait Cologne et aussi les marchés de Noël qu'il y a à Düsseldorf, etc. Mais donc près de la Belgique, en fait, les zones près de la Belgique. Je connais assez mal l'Allemagne. T'as pris l'avion? Ah, d'accord, ok. Forcément, du coup, tu as survolé la Belgique. Et t'as été où en Allemagne, du coup? Genre Berlin ou... Pour aller jusque Berlin, ça fait loin. J'ai pris l'avion aussi pour aller à Berlin. Là, si j'y retourne, ce sera certainement en moto. J'essaie d'éviter de prendre l'avion à l'intérieur de l'Europe quand j'ai le temps. C'est vrai que ça, c'est un gain de temps fabuleux et d'argent aussi, l'avion. Près de Berlin, ok. Il y a plein de belles zones. J'avais une amie que j'ai rencontrée en Nouvelle-Zélande et avec qui j'étais également en Australie. On avait eu un peu le même plan de voyage. Et... Ah ben, il y avait...
Et donc j'avais celle que j'avais vue à Berlin, mais elle n'est pas de Berlin même, mais elle y est depuis un moment. Et des fois elle part dans les lacs qu'il y a autour, la région qu'il y a autour ou quoi. Je pense que la météo n'est pas toujours très clémente, mais quand il fait beau, il y a vraiment de belles choses à faire à Berlin. Donc là-bas au loin, je ne sais pas si on le voit bien avec la GoPro, parce que la GoPro elle n'est pas très bonne pour voir de très loin. Mais il y a cet invader vert sur cette maison jaune. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup d'invaders sur lesquels j'ai pu poser mon Totoro, tiens. Parce que j'ai un petit Totoro que je promène. Mais là, ça va encore être du 50 points. Hein. Ça va être du 50 points, il y a vraiment beaucoup de points à faire à Raven. Je suis content. Hop là. Ah non, 30 points celui-là. Pourtant, il est aussi grand que les autres là. Il est peut-être plus facile à trouver. Bon, on va faire quelques petites vidéos. Et t'avais été faire quoi du coup près de Berlin? Ici à Raven en fait ils ont dû retirer les murailles mais ils ont gardé les portes, c'est marrant. Pour mon prochain générique. Pour aller en vacances, ok. C'était donc des. Il y avait une activité particulière, c'était juste chill près d'un lac, il y avait un contexte particulier pour ces vacances qui faisait que c'était plus relaxant. Parce que Berlin pour des vacances, plus pour faire la fête, ou alors un festival, je sais pas. Voilà, donc le 39 il est fait, là on va se diriger vers le 27. Bon, je fais un peu tout le tour de la ville. Et puis après, il y en a plein au centre. Et on va faire tous ceux du centre après, tranquillou. C'était pour visiter la ville. Ok, d'accord, donc Berlin et les alentours. Ok, ouais, non, c'est une belle ville à visiter. C'est une vachement belle ville à visiter. Moi, comme j'étais là qu'un week-end, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de bien voir beaucoup de choses au final. Sur Berlin, j'ai fait ce que j'avais, ce que je voulais faire. J'ai vu mes amis. Donc ça, c'est le principal. Mais la ville en soi. Bonjour à Netdem et merci pour le follow. Tu es peut-être déjà parti, mais merci en tout cas. Est-ce que je suis pas en train de me perdre et de pas aller dans la bonne direction? Un peu, si, je vais aller par là. Tac tac tac, on va baisser la luminosité. Alors le challenge ici notamment pour la journée. Ah bah ouais, vous voyez, mon téléphone il est plus en train de charger alors qu'il est branché. Cette foutue batterie a tendance à arrêter de charger. Ah mais il est plus branché en même temps. Ah bah oui, parce que j'ai tiré dessus comme un connard. Et du coup j'ai débranché le câble. Désolé, petit problème technique. Hop, est-ce qu'on peut récupérer du courant dans le téléphone? Alors que je le fasse passer ailleurs. Le câble, désolé. Je vois toujours. Tu nous dis, c'était. J'ai l'impression de regarder un jeu. Bah, je suis un peu en train de jouer en soi. Hein. L'application Space Invader que tu peux choper sur ton téléphone si tu veux aussi en Normandie, je sais pas si tu es près de Nantes ou Rennes ou etc, mais il y en a trois à Nantes qu'il y a moyen de choper. Après bon ben voilà, après si, par contre tu peux aller à Paris, c'est pas si loin que ça de la Normandie je pense, et à Paris là il y en a des milliers, hein, dans, enfin 1400 je pense à Paris, et ça augmente de manière permanente.
Voilà. Parce que le challenge de la journée, c'est de garder de la batterie sur tous les trucs. Voilà. Après, c'est vrai que les jeux sont tellement réalistes de plus en plus que la caméra de la GoPro aussi a tendance à donner un peu des couleurs un peu particulières au monde. Donc c'est pas impossible que ça ressemble à un jeu vidéo au final, ce que je suis en train de faire. Bon, on va garder le câble qui pend, tant pis, c'est pas grave. Et en plus, il y a des petits objectifs, c'est les easter eggs d'un jeu vidéo, mais c'est IRL, tu vois, c'est des easter eggs IRL. Dans Assassin's Creed 2, si je me rappelle bien, j'avais dû récupérer des plumes à travers toute la ville, et des choses comme ça, là, tous les petits easter eggs, les petits collectibles. Ah ben là, c'est ça, mais IRL. C'est un peu l'idée. C'est assez drôle. Après, ça existe depuis vachement longtemps. Il y a tout le monde qui me dit, ah ouais, c'est du Pokémon Go en mode street art. Mais il avait sorti son application. La première version de son application date de, je pense, 2014. Quelque chose comme ça. Et Pokémon Go, c'était 2016. Donc il avait déjà une longueur d'avance sur Pokémon Go. Et contrairement à, en fait, dans Pokémon Go, c'est que du virtuel. Enfin, il y a au final les endroits où tu peux récupérer des choses, ça reste des points un peu, des petits monuments, des bars, des choses comme ça, des choses un peu typiques, des choses un peu emblématiques d'une ville. Mais donc ça permet bien sûr de visiter. Mais c'est que du virtuel, que là au final je vais voir des choses qui sont en réel, donc les fameuses mosaïques. Donc c'est ce que j'aime bien aussi dans le concept du truc. Alors normalement, une des autres raisons aussi, bah après j'avais pas encore l'équipement pour faire les lives et tout, mais normalement quand je fais ce genre de trip, j'essaye de prévoir d'autres événements en même temps. Souvent des concerts ou je devais aller à Paris pour faire des cafés théâtres, etc. Le problème étant que bah, là, autant tu peux aller dans des bars, tu peux aller promener, mais des concerts, pour le moment, il n'y en a nulle part. Donc pour faire des road trips, et comme je quitte bientôt le sud, je me suis dit, bah, les week-ends qui me restent dans le sud, notamment les longs week-ends, vont me servir à aller chasser les invaders. Et rien d'autre, parce que n'y a pas d'autre truc à faire. Donc ici, il y a un invader quelque part, il serait peut-être bien sur le coin de ce mur-là. Juste là-haut. Non. Où est-ce qu'il est ? Merci, Bulvio, pour le follow. Alors, on va prendre un peu de recul. Moi, je l'avais noté. Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Il est juste là, il est bien caché. Il est bien caché. Il est tout petit. Juste là, je sais pas si vous pouvez le voir. Hop, on va sortir le téléphone. J'aime bien aussi augmenter le... Je sais pas si vous pouvez bien voir l'écran du téléphone. Et donc là, on le voit ici, juste au-dessus. Hop. On zoom. S'il veut bien, hop. Voilà. Clic. Et 20 points pour ce petit invader-ci. On va encore faire des petites vidéos. Voilà, il a mis pas mal de aussi petits trucs réfléchissants. Là, il y a une espèce de petit soleil qu'il a fait avec des carreaux en argent. Pas mal du tout. Et il y a des fois des carreaux, c'est des carreaux dorés. Par contre, ils sont tous bien en hauteur. Hein. Donc c'est compliqué pour moi d'aller poser mon Totoro pour faire des plans. J'aime bien des fois faire la... Ou alors, en fait, sur l'application, il y a... Enfin, une petite photo vite fait. J'ai plus qu'une barre de batterie sur mon appareil photo. Ça va être le drame, hein. Ça va être le drame. Bon, c'est vrai que les photos, je pourrais les faire à l'appareil. Au téléphone. Et donc je racontais que oui,
sur le sur l'application du jeu. Je peux peut-être vous montrer ici vite fait. Il y a dans les galeries, on peut aller voir live et on voit en fait les derniers invaders qui ont été faits. Je n'ai pas traversé. Donc là, il y en a beaucoup à Paris d'ailleurs, parce qu'il y a essentiellement l'essentiel des invaders, c'est à Paris. Mais si on décoche Paris, ben là on voit, il y a une minute, Raven, cet invader là que je viens de flasher. Et donc j'aime bien des fois intégrer des petites blagues dans là-dedans. Du style le petit Totoro, etc. Alors, je sais pas si j'ai peut-être loupé des commentaires parce que le téléphone il s'était mis de côté. Si c'est le cas, j'en suis navré. Du coup, là on va continuer par là. On va essayer de traverser le petit. On va faire ça proprement. Voilà, à moitié proprement. Et donc voilà, j'ai un peu perdu le compte du nombre de points que j'ai fait. Pour être tout à fait franc. Ah ben je peux le refaire ici. 130, 160, 180, 180, 100, donc 210, 210, 230, 280. 280 et 80, ça fait 660, 360 points. 360 points déjà. Donc ouais, des fois quand je croise les gens, bah, parce que c'est Corona et compagnie ou quoi, et que je sais que les gens ils aiment bien avoir leur... Moi j'aime bien aussi avoir mon espace privé. Je traverse la route. C'est ça proprement. MDR, bonjour à toi. Bonjour à toi. Qu'est-ce qu'il y a de pas propre? Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi... Qu'est-ce qui se passe, Ginny? C'est pas propre? Ah oui, d'accord, c'est ça proprement la route. Bah oui, j'ai... Bon, voilà, j'étais pas tout à fait sur le piéton. Bah, on est en Italie ici, hein. On fait un peu ce qu'on veut, hein. C'est la jungle, hein. C'est la jungle européenne. Ça va bien sinon, toi? Ouais, je suis à Raven. Hier, j'ai fait un resto, j'ai bu une bière en terrasse, quoi. T'imagines? Resto, bière, terrasse, là, boum boum. Il y a des bikers. Un collègue biker. Bon, il roule en Harley, moi je roule pas en Harley. Ça va bien. J'ai dormi. J'ai eu la flemme de gonfler mon matelas pneumatique en me disant que l'herbe sur laquelle j'allais dormir était assez confortable. En 2 minutes, je suis allé. désolé, je ne voulais pas te rendre jalouse. Mais ouais, du coup, j'ai eu une nuit. Où je me suis réveillé un peu, mais j'ai le sommeil lourd et puis j'avais roulé 10 heures de moto toute la journée. Parce qu'en fait, du vendredi, j'ai fait Nice-Raven, donc en passant par les nationales. Ça me prive une bonne dizaine d'heures de moto. Donc j'étais un peu claqué, donc j'ai bien dormi. J'ai trouvé un bon petit spot de camping, camping sauvage. Un peu à l'abri du vent, et malgré que j'étais à l'abri du vent, il y a quand même eu, au milieu de la nuit, j'avais des bruits en fait. J'avais l'impression qu'il y avait des sangliers qui étaient en train de renifler ma tente. Mais apparemment, c'était pas ça, c'était juste le vent qui donnait cette impression-là. Ah ouais, t'es motivé? Bah ouais, moi quand je pars en long week-end, je fais pas les choses à moitié. Alors. Joli mur. Un très beau mur ravennois que nous avons ici. Nous allons donc longer. Je sais pas si on dit ravennois. Mais bon, soit. Comprenez. En direction de cette bâtisse là-bas. Pas dégueu. C'est assez joli. En Italie, il n'y a rien à faire. Ils ont des bâtiments typiques. Après, il y a plein de trucs moches aussi. Mais
mais il y a des choses jolies, un peu comme dans le sud de la France. C'est vraiment une espèce de prolongation du sud de la France. C'est vrai qu'il y a des belles choses dans le sud de la France. Je t'embête souvent à ce sujet, Ginny, mais c'est quand même une belle région. Et l'Italie, il y a des très belles choses aussi. Mais ça parle pas français. Je ne parle pas tellement italien, donc... Vous voyez, là, il y a des gens en terrasse. C'est le scandale. Rattrape-toi. Vous voyez tous ces gens en terrasse là qui chillent, qui se boivent des petits cafés. Bientôt la France, bientôt pour la France. Du coup, t'as prévu des choses ce week-end, Ginny ? Là, j'arrive ici au coin. Il devrait y avoir le 28 et juste à côté le 37. Près de cette jolie petite église encore. Hein. Je pense que à chaque fois, c'est des églises, hein, ce truc-là. Il y a des croix à chaque sommet du bâtiment. Donc pour moi, c'est des églises. Hein. Fuck it. Fallait pas mettre des croix partout si c'était pas des églises. Hein. J'ai fait attention parce que j'ai deux casquettes avec des croix retournées. Souvent, enfin, c'est pas tellement bien vu d'avoir une croix retournée de manière générale chez les chrétiens. Donc j'ai fait attention quand je me suis dit je suis en Italie, je vais pas les mettre parce que c'est un petit peu plus catholique qu'ailleurs. Et donc là je sais exactement où je vais pour chercher. Il est bien planqué, il est très beau, je l'aime beaucoup, mais faut le trouver. Ah non, j'allais dire, il a peut-être été endommagé. Ah, il est magnifique. Hein. Celui-là, je l'adore beaucoup. Ça fait vraiment penser à une petite tour de jeu vidéo. Voyez-vous, on est dans Age of Empires ou Clash of Clans, mais la version pixelisée avec des tout petits carreaux. C'est un des mosaïques comme ça, là, de cette taille-là. J'en ai jamais vu. Il est vraiment tout petit. Je le kiffe. C'est mon nouveau copain. C'est un de mes préférés. Oui, d'ailleurs, je file Anis de ma meilleure amie, aujourd'hui barbecue. Eh bien, bon barbecue, chill, ça va jacasser entre copines, amusez-vous bien. Ah là là, voilà, 30 points supplémentaires, très très belle tour, celui-là je vais le prendre en photo de tous les angles que je peux là, je l'aime vraiment bien. Un peu à contre-jour, c'est un peu dégueu. Faudrait que je revienne plus tard dans la journée si je veux vraiment des belles photos. Je le kiffe. Il faudrait le nettoyer un petit coup. J'ai pas pris mon kit de nettoyage et ma brosse. Mais il est vraiment cool. Hein. Bon, faut être dans le délire quoi, mais moi qui suis bien dans le délire, je le kiffe. Je le savais déjà que je l'allais l'aimer. Parce que je l'avais déjà un peu repéré, mais... oui, bonne journée à toi aussi. Alors... Où est-ce qu'on passe ensuite? Il y en avait un autre, planqué. Est-ce que mon téléphone charge? Oui. Tac. La cacarte. Donc ici, on a fait le 37, si je ne me trompe pas. Ah non, c'était le 28, je sais plus. Ah non, ça c'est le 37, et du coup le 28, il est censé... Ah, il était au coin là. Je suis passé, je l'ai même pas vu. Je repasse devant le 37, que j'aime beaucoup. Je le répète, c'est mon copain. C'est un de mes nouveaux préférés en petit. Souvent j'aime bien les grands. Comme j'ai vu tout à l'heure, il y en avait un avec Spock. Un très très grand, sur un planétarium. Et là c'est un petit, mais je l'aime beaucoup. Alors normalement ici il y en a un caché sur ce petit bâtiment qui fait le coin, ou alors en face, je ne suis plus sûr. Mais il est bien caché parce que je ne l'ai pas vu hein, en passant devant. Je m'en passais juste... Ah bah oui. Ben non, il n'est pas bien caché du tout, mais je peux regarder au bon endroit. Une jolie petite fleur que je vais vous montrer en me retournant. La voilà. Petite colombe qui me boive dans un vase, dans un réceptacle, dans un petit calice. On va le scanner de ce pas. 50 points encore.
Alors on se gave, hein. Franchement là sur Raven, c'est vraiment une destination si vous êtes amateur de Space Invaders. Vous allez vous gaver en termes de points, il faudra que je fasse le total à la toute fin. Il y en a beaucoup qui sont restés actifs. Et franchement là je suis content. Du coup on va filmer un petit peu avec la batterie qui nous reste sur l'appareil photo en espérant. C'est vrai que j'aurais peut-être dû utiliser ce temps là de pause afin de. De voir si je veux si de chercher un peu les batteries de mon téléphone qui sont peut-être dans mon sac à dos, de mon appareil photo qui sont peut-être dans mon sac à dos. Bon, on continue. Je ne sais pas vers où je vais, ça doit être par là. Voilà. Un petit peu plus de luminosité. Live is back. At time session to continue. Ok, c'est parfait. Et donc, on regarde. Et sur la K-carte, ça me dit que donc j'ai fait celui-ci. Ces deux-là, ils sont faits. Attends, est-ce que j'irai faire cette photo-là? Après, je dois aller par là. Ouais, je la ferai parce que j'aurai une autre expo. Donc, c'est bien. Donc ici, on va aller par là. Ou par là. Les trottoirs sont très très étroits à Raven. Et les voitures roulent malgré tout assez vite. Ce que je trouve assez déroutant. Pas très cool, mais on fait avec. Du coup, ici, je me dirige vers le 06. 06 et le 07, je pense. Tous les deux, je les ai pas encore. Hop. Des cyclistes qui te passent à côté tranquillou, c'est pas trop grave. Mais... Donc, nous revoilà. Désolé encore pour l'interruption. Pour ceux qui débarquent et redébarquent. Toujours à Raven, bien sûr. On a un petit souci de batterie sur la GoPro. J'espère que ça va continuer à tenir. Là, je l'ai branché sur la batterie externe que j'ai. Mais du coup, j'ai mon téléphone qui ne charge plus. Mais c'est pas grave, j'ai fait en sorte que ce soit lui qui du coup stream. Ce qui est au final pas plus mal. C'est un peu plus logique. Parce que sinon il y a des échanges un peu bizarres à faire avec le Bluetooth, etc. Que là au final j'ai ce téléphone là qui sert à streamer en fait. Qui sert à se connecter. Et celui-là qui sert à partager la connexion et à flasher. Je pense que c'est un peu mieux réparti comme ça en termes de charge. Parce que le fait de streamer, mine de rien, je pense que ça va lui prendre un peu de... Et voilà donc ce à quoi je ressemble aujourd'hui, avec mon petit autoroule. Et me voilà. Comme ça, vous savez, parce que je vais sans doute pas trop me montrer. Je suis pudique. Voilà. Alors, en arrivant par ici, déjà marché à la session. Non, il faut que je tourne à gauche ici. Ah non, il fallait que je tourne à gauche avant, c'est pas grave. Alors, tombe à Dante, il tombe ici, pas loin. La tombe de Dante. Un peu peur comme nom, ça, non? On se croirait dans un jeu vidéo. Sur l'une des colonnes, au-dessus, juste au-dessus de votre colonne, un invader aux couleurs de l'Italie. Très joli. On va flasher donc de ce pas. Hop là. Nous y voilà. Zoom. Et on se refait encore 20 points. On va faire une petite vidéo. On va montrer le coin.
Toulouse. Plazo del Provincia. Il est marqué là-haut. Je vais mettre un autre vidéo. Le resto. Avec le téléphone aussi, on va libérer un peu de la charge. Ok, une belle petite Triomphe, hein. Décapotable s'il vous plaît. Ah, salut Torvid, j'ai loupé la première vague du live, c'est le 40 ça? Ah non, c'est le 07, oui. Bonjour, bonjour. Oui, ben en plus j'ai eu une déconnexion, Donc oui, t'as loupé. Après, j'en ai repéré une trentaine, je pense. Quasiment tous ceux qui sont valides. Et j'en ai fait 12 pour le moment. Donc il y en a encore une vingtaine à faire. Ça, c'est le 07. Et donc maintenant, j'allais vers le 06, si j'arrive à me guider correctement. Qui devrait être là-bas? Ouais. Ouais, par là. Du coup, tu chasses aussi, toi? Tu es le premier chasseur qui débarque sur le stream, ça fait plaisir. Il y a des jolis pinacles, il y a des jolies choses partout ici. Hein. C'est vraiment une belle ville, Raven. Et les terrasses sont ouvertes ici. Je vais donc me faire un petit resto tout à l'heure. Tu en as des valides dont tu n'as pas l'occasion ou pas? Non, normalement je les ai tous, je pense. En tout cas, y en a qui ont été réactivés. Mais qui sont pas aux bons emplacements. Mais normalement, quand j'avais fait mon repérage et tout, j'avais recompté et je pense tout avoir. Faut que je marche droit parce que sinon j'embête les cyclistes. On va essayer de tirer à droite. Je cherche aussi, en fait, je suis l'admin du serveur Discord sur lequel t'as envoyé le serveur. Ok, cool. Ok, cool. Tu dois être basé à Paris, non? Il y a beaucoup de gens qui font les invaders qui sont basés à Paris. Moi, j'en ai quasiment pas à Paris encore. Faut que je le fasse cet été. Alors, le 06, il va être ici sur la colonne quelque part. Non? Non. Où est-ce qu'il est? Ah, là-bas. Je l'ai repéré. Le vois-tu? Non, pas du tout. Je suis dans le Grand Est. Ok. Moi, pour le moment, je suis à Nice. Mais je vais bientôt retourner en Belgique. Et après, j'espère pouvoir partir à l'étranger, normalement vivre au Japon pendant un an. Malheureusement, ils ont tous été désactivés, les... Enfin tous, il y en a beaucoup qui ont été désactivés des invaders à Tokyo. Je voulais moi-même les réactiver, mais apparemment c'est compliqué à faire. C'est plus compliqué qu'on ne le croit. Donc, là, hop, on sort le téléphone pour flasher. On zoome. Je vais essayer de montrer mon flash sur le live. Hop. Et voilà, 19 119 points, 190 points, 510 invaders flashés. T'en es à combien toi? T'en as déjà beaucoup? Oui, au Japon ils sont assez vieux. Ils ont pas bah, c'est surtout qu'en fait c'est pas du tout dans leur culture et en plus de pas être bien entretenus, ils ont été virés quoi. Et après c'est Tokyo donc ça évolue beaucoup aussi comme ville. Dans toutes les grandes villes, y a des bâtiments qui se construisent, des bâtiments qui disparaissent et des bâtiments qui arrivent. Mais en plus, apparemment, c'est assez mal vu. Il bug ton live, il freeze un peu. Ouais, je pense ma connexion, en fait, du fait que je suis en Italie. Alors, je pense que le stream, il est disponible qu'en 720p. Je vais me mettre sur ma 4G.
peut-être. Enfin, moi en tout cas, attends, je sais pas si je peux retourner sur là, ici. Ouais, y a... non, y a... ça vient aussi de moi là. Je suis. J'ai que du 15. Enfin, du 1500 kilobits par seconde. Ce qui est pas tellement assez. Mais je pense que comme je suis à l'étranger, mon fournisseur d'accès sur le téléphone, il est pas hyper content que je fasse autant de données. Donc ça va peut-être un peu fluctuer. Là, je vois qu'il est remonté à 1600, mais idéalement faut le double. Donc idéalement faut 3500. Et là, je suis il est en train de reprendre du poil de la bête. Quand je bouge pas trop, il arrive. Il est peut-être en train de remonter un peu. Je reviens sur le chat. Ça y est, je suis relâ. Ok. Ouais, à mon avis, c'est un peu des deux au niveau de la connexion. Normalement, si ça freeze chez moi, ça va mettre des carrés. Ça va être un peu pixelisé. Il y a des camions. Attendez. Le bruit dans les rues italiennes, c'est fou. Avec c'est des rues, t'as l'impression que c'est piéton et il y a des camions qui passent dessus. Quoi. C'est ouf. Alors, donc, le 35, c'est fait. On va aller vers le 08, qui devrait être par là. J'ai l'impression que c'est là d'où je viens. Non ? Non. Ah oui, non, c'est de là à droite que je viens. Ok. Ça bug un peu moins. Ouais, comme j'ai un peu le taux de. Le nombre de. Enfin, la vitesse de transfert à laquelle j'ai droit avec ma 4G. Sachant que j'utilise une 4G d'un plan. Enfin, je paye pas du tout cher mon internet. Du coup, je suis pas sûr qu'il soit très enjaillé que je fasse ça. On a flashé combien pour le moment à Raven? Alors, je check. Là, j'en ai 13. 13 sur 40. Il doit m'en rester une bonne dizaine, voire une vingtaine encore à flasher de ceux que j'ai repérés. Donc, je suis à 13 sur 40. J'ai déjà fait plus de 400 points. Ça va vite, mine de rien. Il n'y en a pas beaucoup de petits. Je pense que j'ai flashé que du 30. Ah, il y en a 2,20 quoi. Il y en a 2,20 que j'ai flashé. Et donc ici, bim bim bim. Ah, je vais rebaisser la luminosité sur mon téléphone parce que en fait le gros challenge de la journée, c'est d'arriver à faire tenir les batteries. Parce que j'ai un téléphone pour le chat. Je pense que j'en ai une trentaine à faire. Il y en a quelques-uns qui sont au niveau du port que je devrais aller chercher. Je suis venu ici à moto, donc je vais aller les chercher. Ah bah il est là. C'est un grand celui-là, encore un grand. Il y en a vraiment beaucoup de grands et beaucoup qui valent pas mal de points. C'est ça, on voit du lourd. Ah, il y a les carabinieri qui vérifient les gens. Mon truc, je vais pas rester trop ici. On passera éventuellement pour faire des photos après. J'ai pas envie de me faire emmerder par la police. Alors, où va-t-on ensuite? Le 11, était juste là-bas. Non, c'est pire l'idée. Ouais, mais par là, c'est un cul-de-sac. Ouais, j'ai investi dans une GoPro 8 dans l'idée de faire des lives parce que j'ai vu des gens qui faisaient des lives au Japon, vu que j'ai l'intention d'aller au Japon, j'espère, d'ici quelques mois. Et en faisant ce trip là et tout ici, vu que d'habitude j'essaye de faire des concerts partout où je vais, quand je vais faire
mes chasses aux invaders, mais pour le moment les concerts c'est pas possible. Je me suis dit, je vais prendre mon équipement et je vais faire un petit live sur place. Je vais essayer de faire en sorte de rajouter une catégorie Flash Invader sur Twitter, sur Twitch. Parce que sur Twitch il y a plein de catégories, mais il n'y a pas Flash Invader que je sache. Là il y a le petit là-haut, il est vachement joli. Il manque 6 carreaux dessus par contre. Mais pour aller le mettre, c'est chaud. Il faut une bonne échelle. Alors on va le flasher vite fait. Et puis après on va prendre des photos. Essayer de pas gêner la voiture. Je sais pas où est-ce qu'elle va. On l'a du premier coup. Ouais, 30 points encore. Le 11. As good as David Vincent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu as la ref? Je sais pas qui c'est David Vincent. Tu feras les live stream flash au Japon? Ben, sur les quelques-uns qui restent, oui, sûrement, une fois que je les aurai repérés. Mais ça, c'est pas avant septembre-octobre, quoi. Et après, le truc, c'est comme il n'y en a pas beaucoup à faire, ça va aller vite. Mais oui, je vais certainement aller flasher les quelques-uns qui ont été maintenus. Hop, là, on va faire quelques petites photos, vidéos. J'ai une autre caméra, là, que j'utilise aussi. Je fais un peu aussi des vidéos YouTube. Je sais pas si t'as peut-être déjà vu. Je les partagerai sur le Discord. En fait, le truc, c'est que comme je faisais des concerts, avant, ben, j'intégrais mes invaders aux vidéos YouTube que je faisais. De mes concerts, en fait. Mais donc, ben, c'était pas forcément très axé invader. Et ben là, du coup, vu que je fais des trips et j'ai commencé à faire du contenu un peu plus axé 100% invader, je suis en train d'analyser toutes les villes où j'ai déjà été et les différents invaders qui sont un peu galères à choper. Voilà, 36. Et donc, j'ai un peu commencé par les vidéos YouTube. Et du coup, là, ben, comme dernièrement, je suis un peu plus actif sur Twitch, je me suis dit que. Sinon, tu m'avais posé une question, j'en ai trouvé 346. Ok, 348. C'est déjà pas mal. C'est plus que la moyenne. Et t'as découvert ça comment? Parce que dans le Grand Est, à part Dijon, je sais pas si c'est considéré dans le Grand Est. Mais il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas si je vais dans le bon sens là par contre. Je pense avoir vérifié avant, mais je suis même pas sûr. Si. Non? Ah non, j'ai pas dans le bon sens. Ah si, 38. Pardon. 36. Est-ce que j'ai le 08? Le 08, je l'ai déjà. Oui, c'était le rouge que j'ai fait tout à l'heure. C'est le bazar, ici c'est le bazar. Bienvenue en Italie. Ah, il y a la police. Ah non, c'est juste la sécurité. Ah si, c'est la police. Un véhicule électrique, la police. Ouais, le problème c'est que j'habite dans le Grand Est, donc pas d'invader. Et en plus, je suis très jeune, donc je peux pas me détacher. Ouais, bah. Après, du coup, t'as toute la vie devant toi. Sinon, oui, il y a Dijon, je suis allé. Ouais, bah moi je les avais fait sur un road trip que je faisais d'ailleurs avec mon frère et ma mère. On s'est arrêté vite fait à Dijon pour manger. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 6. Je pense 6 ou 8. Moins de 10 quoi. Et donc on s'était occupé de ça. Vite fait. Mais ouais, moi ça va, j'ai 30 ans, j'ai une moto. Donc ici en Europe, je me gaffe pas mal. J'ai emménagé dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur il y a un moment. Et sur la Côte d'Azur, il y en a quelques-uns. Par contre, le truc, c'est que genre, il y en a vraiment beaucoup à Paris, mais j'en ai quasiment pas fait à Paris. J'ai dû en faire 7 ou 8. Du coup, cet été, si j'ai le temps, si j'en ai l'occasion, je vais essayer de focus sur Paris pour rattraper mon retard. Mais j'ai découvert ça en faisant un voyage à New York, parce que je voyage pas mal. Alors, par contre, là, je suis passé bien au-delà, à mon avis, non? Ouais, si, je suis carrément passé au-delà. Je suis passé devant, je l'ai pas vu. Franchement, scandale. Et donc, en fait, bah, c'était quelle année?
2018, donc il y a 2-3 ans. J'avais un ami qui voulait faire ses 18 ans, ses 18 ans, ses 30 ans à New York. Il nous en avait parlé depuis longtemps. Et donc, moi, j'habitais à ce moment-là en Australie, à Melbourne. Je faisais les PVT, en fait, à partir de 18 ans. Je peux faire des permis vacances-travail pour aller bosser en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, etc. Et donc là, à ce moment-là, j'étais à Melbourne. Et j'avais fait 3 semaines, en fait, à New York. Et pendant ces 3 semaines, j'avais fait des visites de street art dans un quartier qui s'appelle Bushwick, dans Brooklyn, où il y a beaucoup de street art, parce qu'il y a un gars qui s'est vraiment... il a un peu dédié sa vie au fait de rendre disponibles les espaces pour les artistes. Et grâce à ça, en faisant la visite, le gars, il présentait justement les Invaders, etc. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Invader. C'est assez marrant, en tant que Belge, parce que moi je suis Belge, de découvrir un artiste parisien en allant à New York. Alors du coup, c'est ici qu'il est, par là. Ah, il est juste là. Il est juste là, je suis effectivement passé devant sans le voir. Le petit drapeau. Petit drapeau blanc et rouge. Je sais pas si on le voit bien sur le stream. Ah, c'est tes cousins à Paris. Ah, ok, cool. C'est une affaire familiale. À tes cousins, ils doivent en avoir plein, du coup. Et voilà le 36. Je vais faire une petite photo, une petite vidéo. La photo. Est-ce qu'on peut essayer de choper avec la vidéo? Bon, y a un gros camion là-bas, mais bon. Est-ce qu'il y a de mieux à filmer, je pense, dans le coin? Le voilà. Bon, j'essaye de garder de pas mettre trop mes mains et d'obstruer la vue de la caméra, mais des fois j'ai pas le choix. Donc j'en suis navré. Et donc voilà, c'est comme ça que j'avais découvert Invader. Et maintenant, là depuis, je chôme pas du tout. Bah, déjà en plus, en revenant à Melbourne, j'y connaissais rien du tout, mais j'ai réussi à repérer, à trouver des cartes et tout, et à trouver les quelques Invaders qu'il y avait à Melbourne. Donc j'avais déjà deux villes, on va dire, loin de chez moi, qui étaient New York et Melbourne, de partiellement faites. À New York, j'ai découvert sur place et que je suis resté que 3 semaines. J'en ai loupé plein, on va dire. Alors 03, 09, ils sont déjà faits ceux-là ou pas? Je pense pas, hein. Si. 03, 09, non. En route, on continue. Et tout à l'heure, je vais aussi aller me manger un bout. J'espère avoir terminé les Invaders du centre d'ici là. Mais voilà, et comme je voyage pas mal, c'est une super façon d'occuper mes voyages qui ont tendance à être un peu solitaires. Donc, j'ai eu l'occasion d'en faire à Londres, j'ai eu l'occasion d'en faire à Berlin, un peu après être rentré de, un peu être, après être rentré de Melbourne. Parce que j'avais notamment un festival ou un concert par-ci par-là, des amis à voir aussi. Et donc, c'est assez cool de promener. Après, je fais pas. Tous mes trips sont pas forcément axés là-dessus, mais quand je peux en caser quelques-uns pendant un trip, c'est l'occasion. Et c'est du kiff et c'est des points et c'est assez fun comme concept, j'aime beaucoup. Et nous en voilà encore un. Ici on arrive vraiment sur le centre, ils sont assez concentrés. Un supplémentaire. J'utilise beaucoup Google Street, du coup j'ai tendance à des fois me rappeler plus ou moins la zone, mais c'est pas toujours le cas. Ah ben là, c'est pas la rue où il y a ma moto, tiens. Je sais pas, parce qu'en fait à Raven il y a des portes un peu partout, et je pense sur la porte qu'il y a là-bas au bout, il y en a un, mais il a pas été mis au bon endroit, du coup il fonctionne pas.
qui est un peu décevant. Et en le voyant, j'ai garé ma moto juste à côté, mais ça n'a jamais fonctionné. Hop, l'invader flashé. La photo. Et la vidéo. Merci, grazie. Ok, grazie. Ils sont gentils les gens des fois. Les Italiens peuvent être considérés envers les personnes. Non, je déconne, j'ai un pote italien qui est super, super considéré, mais c'est vrai que j'ai un peu ce cliché de des Italiens qui sont un peu des... Ils y vont à la va que je te pousse. Et sur les routes, c'est pas mal ça, faut y aller au forcing en fait. Si t'es un peu en mode tu roules pas trop, tu roules trop calme, tu roules pas agressif en Italie, tu te fais un peu malmener. Hein. Alors le 9, du coup le 9 il va être par là. Il y a une voiture qui arrive là-bas, mais ça va, elle est loin, non? Elle est proche. Hop. Finalement, j'aurais bien une petite pâtisserie en vrai, pas trop déjeuner. Mais je n'aime pas rentrer dans les commerces avec le stream en cours. Donc on va attendre un petit peu. Pas mal de vélos. Hein. Trop de voitures, mais pas mal de vélos. Moi je suis un adepte du vélo. Je fais de la moto, vélo électrique, skateboard électrique. Je fais un peu de tout. Mais la voiture, j'ai abandonné depuis un moment parce que quand je voyage seul, pas besoin de voiture. Et je me rends compte à quel point les voitures sont un petit peu trop omniprésentes à plein d'endroits. Donc, je dépasse par la droite. Mais bon, après, c'est très très pratique hein, dans beaucoup de situations. C'est juste qu'on est un peu trop dépendant de ça et ça nous pourrit les centres-villes, je trouve. En fait, enfin, bon, après, c'est... je vais arrêter de parler de ça à chaque fois. Ça devient un peu un sujet un peu trop récurrent, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Désolé. Voilà. Si tu veux en réactiver, je sais plus trop, mais sur mon Discord, il y a quelques messages qui expliquent. Ah ok. Ok, ben non, mais c'est cool. Parce qu'en fait, j'ai fait une tentative à Nice. J'avais pas les bonnes tailles de carreaux parce que j'arrivais pas à estimer les bonnes tailles de carreaux et tout. L'emplacement était normalement bon, mais en fait, bah là du coup j'ai dû le retirer parce qu'ils vont bientôt le réactiver, celui que j'avais essayé de réactiver à Nice. Mais c'est cool, je vais chercher les infos s'il y a moyen de le faire. Après, en vrai, au Japon, ils sont pas très rigolos avec ça apparemment, donc si je le fais, faudra vraiment que je sois sûr et certain de pas me faire choper, parce que c'est généralement pas légal hein. Ou alors que je le fasse à la fin de mon trip, si à un moment je sais que j'ai terminé. Ah, il est juste là, Via di Roma. Alors autant je suis pour les transports en commun, que je pense qu'à Nice il y a beaucoup de bus qui sont électriques, c'est quand même nettement plus agréable. Parce que ces moteurs là, ils sont... Là on le voit juste là, ouais, il a plein de carreaux tout dorés là, il est vraiment beau celui-là. Via di Roma. Très belle pièce. Bon, je suis un peu à contre-jour, j'en suis désolé. On va scanner ça tout de suite. Hop. J'ai monté là. On va faire un peu sur. Oula, on va faire tomber la caméra. Santinveda. Voilà. Là, il y a une belle photo à faire. Il y a un monsieur qui s'est arrêté juste pour faire la photo. Je ne sais même pas s'il était au courant du Space Invader, mais en plus, ah oui, avec le. C'est un peu à contre-jour, mais c'est joli.
essayer de la faire depuis l'autre côté. Ah mais non, depuis l'autre côté j'aurais pas le pinacle. On va quand même faire une photo de l'invader depuis l'autre côté. Un peu mieux exposé là comme ça. Un petit zoom. Et on va faire une petite vidéo aussi depuis ce côté-ci. Ah, je check vite fait le chat, je suis désolé, hein, quand je fais les photos et quand je les scanne et tout, je sais pas avoir deux téléphones en même temps. Ok, ça roule. En tout cas, merci d'être là, c'est sympa et je vais essayer d'être actif sur ton Discord vu que le truc Invader, ça me chauffe bien. Depuis pas mal de temps maintenant, depuis plus de 3 ans, donc fait de voir qu'il y a un Discord. Je vais chercher un peu après, mais je l'avais pas trouvé. Et on me l'a renseigné. Enfin, j'en avais entendu parler par-ci par-là. Et j'ai demandé sur Facebook, on m'a donné le détail. Ouais, une belle pièce celui-là. Les petits carreaux dorés là, je sais pas s'ils sont faciles à trouver. Hein. Parce que j'avais regardé un peu en ligne. C'est ça aussi le souci. C'est genre au Japon. Ça existe, hein. Il y a moyen, ça se trouve. Mais où quoi? Déjà là en regardant ici en Europe sur internet, sur le site qui permet d'en acheter, bah en plus j'ai pas acheté ceux de la bonne taille et tout. Mais c'était pas forcément évident. Là pour en acheter au Japon des carreaux comme ça, faudrait que je me renseigne, tu vois. Bon après c'est pas ça, hein, je suis pas trop mauvais quand il s'agit de se renseigner, mais voilà. Alors maintenant on a le 03. Et le 03 il est par là. Non, non, je l'ai déjà fait le 03. Tous ceux-là ils sont faits. Je fais un 03. Ouais. Ok. Donc là on va partir sur 36, 11, 11, 11, 36, 19. Ambre, si je me souviens bien, il faut envoyer un mail pour demander si c'est possible. Assembler l'invader avec les carreaux de la même taille. Ouais, ça en général. Faut que ce soit exactement ou presque les mêmes couleurs. Les mêmes, donc la couleur, mat ou lisse, même taille. Un peu de l'invader assemblé. Il est valide, tu vas en mettre. Ok. Je n'ai pas à leur demander l'info du type des carreaux. Ouais, ouais, ok. Ok, d'accord. Parce que moi, sur Instagram, j'avais déjà essayé de lui envoyer des messages, il m'a jamais répondu. Mais du coup, ouais, en fait, c'est parce que y a des équipes hein, qui le font déjà. Après, il faut aussi que je travaille. Après, pour le moment, j'ai fait surtout des tests en vrai et je faisais ça avec une colle un peu dégueulasse. J'ai fait ça un peu trop à l'arrache pour le moment, mais je m'imagine que si je m'applique, il y a moyen que je fasse ça plutôt bien. Et surtout, bah, en plus, je pense que ceux à Tokyo, ils ont tendance à être petits, tu vois. Du coup, il y a peut-être moyen de. Mais donc, c'est par mail, ouais, forcément sur Instagram. Ouais, ok, d'accord, sur Instagram, il répond pas. Mais donc pour la bonne adresse mail, je vais essayer d'investiguer. Je vais déjà présenter mon cas, tu vois. Et là, ben justement, en plus, je me suis aussi fait bien voir. Je suis rentré en contact avec les équipes de réactivateurs parce que, ben comme j'avais mis l'invader, j'avais tenté de faire celui que j'ai fait à Nice. Puis j'ai contacté les gens en mode est-ce que vous avez une idée de pourquoi il fonctionne pas? Et donc on m'a expliqué que c'était pas si simple. Et ils m'ont aussi dit, ils ont un peu essayé de me décourager de le faire, tu vois. J'ai eu l'impression. Ah, désolé. Il y a tous tes messages qui ont été retirés. Parce que t'as envoyé un URL, il est un peu hardcore le Wisebot. Untimeout user, untimeout. Désolé. Ouais, les liens, il aime pas le Wisebot. Désolé. Bon, on va repartir pareil. Mais y a pas de souci. Au pire, sur Discord et compagnie, on peut communiquer. Okay. Le pire, c'est qu'il a supprimé genre tous tes messages en même temps, quoi. Genre t'envoies un lien et en plus il supprime tous tes anciens messages. Ouais. Ah oui, d'accord, ok.
Clean Vader@spaceinvader.com. Ok, ou sur le site. Ok, d'accord. Ok, oui, je vois. Ça va. Ok, en plus, c'est juste c'est pour une adresse mail, quoi. Il est vraiment. Faut que je règle mieux mon WiseBot. Désolé, sur Twitch, je ne peux pas dire que je suis nouveau. Ça fait quelques mois que je le fais, mais je suis pas encore bien calé. J'ai du progrès à faire. Mais ouais, cool, j'investiguerai. Et comme je dis, je vais lui présenter mon cas. Le fait que je vais sans doute aller à Tokyo pendant une paire d'années. Que je connais bien son boulot. Et je vais essayer de faire quelques réactivations faciles à Tokyo dans un premier temps. Puis ça dépendra si je reste longtemps ou quoi, mais on verra. Jolis petits chiens partout. Alors par contre, est-ce que je vais pas passer la route où je dois tourner pour le 36? De toute façon, sur mon serveur, il y a 2-3 réactivateurs, donc je vais essayer de poser. Ouais. Bah là, comme je dis, j'ai déjà été en contact avec les gars de React Team Paris. Je pense que c'est les gars du Cactus qui m'ont jamais répondu aussi. Enfin, je pense, voilà. J'ai plus l'habitude d'être exposé à autant de bruit. Je passe trop de temps en intérieur comme je bosse dans l'informatique. Le 36. Ben non, le 36, je l'ai déjà. 36, j'ai déjà, hein, je suis pas faux. Ouais, 36, c'était le petit blanc hein, que je vois en me retournant vite fait. Tranquilos. Et alors là, on va aller voir le 4. 11, il est déjà fait. 11, il est sur la place là à gauche. Tu as combien? J'en ai combien maintenant? J'en ai 18. 18 sur 40. Et on va dire, j'ai commencé à faire la moitié de ceux qui sont vraiment au centre. J'ai un peu fait le tour de la ville en mode un peu, comment dire, en escargot, tu vois. Et là, je suis en train de m'occuper du centre petit à petit, de manière un peu plus chaotique. Alors, le 4, du coup. Est-ce que je ferai pas le 19 et le 16 en fait? Ouais, si, on va faire 19, 16, 4, puis 15, 32. Il y en a vraiment beaucoup, hein, c'est cool. Ils sont restés activés. Demain, non, pas demain, après-demain, je pense, ouais, enfin, faudra voir. En fonction de à quelle heure je termine. Mais normalement, l'idée, c'est après, je prends ma moto et je me mets en direction de Rome. Je dors entre ici et Rome. Demain après-midi, j'espère pouvoir en faire à Rome. Mais à Rome, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y en avait beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ont été désactivés. Et puis après, tu as ceux qui sont dans le Space Center pour lesquels, avec le Covid, on ne peut pas les avoir. Ah, c'est vraiment beau cette place. Ça gueule de la. Il y a de la. Je vais faire un tour sur moi-même un peu lentement. Mais c'est vraiment chouette. Très belle ville, Ravenne. Ah ben c'est sympa. C'est sympa. Après, le truc, c'est que pour. Demain après-midi, il faudra que je gère pour avoir de la batterie en fait. C'est ça qui va être le côté délicat. J'ai une grosse batterie, je peux aussi charger des trucs avec ma moto. Après, j'ai pas mal d'heures de moto à faire, donc je vais faire charger ma grosse batterie qui est ici en train de se décharger pour maintenir la GoPro. Là, je fais une petite vidéo. Elle est chouette cette place. Ils ont beaucoup de places comme ça en Italie. À Florence, il y en a une magnifique, hein, bien évidemment. Mais voir un peu les autres, c'est cool aussi. Attends, je regarde vite fait le niveau de batterie de la GoPro, qu'est-ce que ça dit? Ah, ça va, ça a l'air d'être plein. Donc la batterie me permet de maintenir tout ça sans problème.
Alors, ensuite, par où va-t-on? Enfin, demain après-midi, normalement, y a, si j'ai assez de batterie, tu vois, si j'ai de la batterie sur la GoPro et sur les téléphones et compagnie, si j'ai encore de la data à l'étranger, je vais essayer. Et le week-end prochain, normalement, je vais en Espagne. Par contre, le week-end prochain, j'ai beaucoup trop d'endroits à faire. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir tous les liver. Parce que l'idée, le week-end prochain, c'est faire Perpignan, Barcelone. Mais Barcelone, il en reste genre 3. Enfin, il en reste vraiment pas beaucoup. Donc Perpignan, Barcelone, Bilbao et Montauban. J'en ai aussi un à faire à Toulouse, mais je vais pas m'amuser à l'arriver pour un seul. Donc ici, bah, il y avait le 19. J'ai pas chopé le 19. Je devais choper le 19. J'étais au bon coin et je l'ai même pas vu. J'ai fait des tours sur moi-même, j'ai tout regardé. Après, je le cherchais pas non plus. Ah oui, je sais. Le 19, il va être de l'autre côté de la porte là, je pense. Il en reste deux à Barcelone. Ouais, c'est possible, ouais. Ça, 2-3. Je sais pas pourquoi j'ai 3 en tête. Normalement, j'ai déjà quasiment tout repéré. J'ai peut-être un peu de repérage à faire la semaine prochaine. Mais dans l'ensemble, j'ai déjà presque tout repéré. Ah non, il est juste là. Ah oui. Ça, c'est un tabac. Ah, mais d'ailleurs, je me demande si avant, c'était pas une pharmacie. En gros, c'est tabac et souvenirs. Et il a mis une petite fiole de soins. Il est pas mal du tout celui-là aussi, j'aime beaucoup. Je sais pas si on les voit bien en fait sur le live. Il y a une grosse caméra au-dessus. Hop, de toute façon si on les voit pas bien, je vous les montre. Donc voilà, là, ici au-dessus. Et alors là, machin. Encore 30 points, 584. Ça évolue bien, hein. Je vais passer les 600 à la fin du week-end. Et là, bah, du coup, les photos. Ah bah, en plus, il est peut-être pas sur ma vidéo que j'ai déjà faite. Faudrait que je vois, mais j'ai pas envie d'utiliser de la batterie pour ça. Je vais donc refaire une petite vidéo vite fait avec ma caméra. Mais je sais pas si tu as des expéditions de prévues cet été à Paris, mais si ça te dit de faire des promenades, après je sais pas quel âge t'as, hein, mais enfin, moi je m'en fous. Si t'es un gars cool, c'est tranquille. Moi j'essaye d'être plutôt cool. Mais je vais certainement faire des expéditions à Paris cet été. Je sais pas encore exactement quand. Mais comme je vais normalement à septembre-octobre, je quitte le continent si tout se passe bien. Faut que j'en fasse un max à Paris avant de partir. Alors, sinon ouais, je te conseille vraiment soit Perpignan, c'est vraiment sympa, soit Montauban et Bilbao. Ouais, c'est ça, bah ouais, Barcelone je vais le faire parce que je serai dans le coin, puis j'ai encore un week-end de 4 jours, tu vois. Je peux peut-être même poser un jour supplémentaire de congé si vraiment je veux, pour prendre mon temps en fait. Après ouais, faudrait genre que je prenne un Airbnb au milieu pour pouvoir bien recharger toutes mes batteries et me recharger moi aussi, parce que c'est fatigant mine de rien quand je fais des week-ends à faire des dizaines d'heures de moto. J'ai 12 ans. Ouais, d'accord, ok. Ça va. Effectivement. Alors, ah oui, ici. Ah, bah, il est là, lui. Parce qu'il y avait des gens qui avaient dit qu'il était peut-être désactivé, celui-là, je pense. Ou c'était un autre, je sais plus. En tout cas, celui-là, il est là. Celui-là, il est terrible en plus. Il est trop bien. Ah, bah, celui-là, je vais pouvoir mettre. Alors, Be Rebel, Don't Let Street or Die. Ok, il y a un petit post-it. Et on va mettre Totoro. Je sais pas si tu connais Totoro. C'est de ton âge en plus. Voilà, on met Totoro là et on le flash, et comme ça Totoro il sera sur le live. Si tu veux regarder le live de l'application Invader, bim, hop, et du coup là moi je passe sur le live et je fais un petit screen du live parce que j'aime bien voir Totoro sur le live. On va attendre qu'il charge. Ouais.
je peux te rapprocher sur du SI et faire une photo, un truc comme ça. Ouais, je fais avec Totoro, me mettre moi-même dessus, je m'en fous un peu. À la limite, je fais une photo après en selfie pour mettre sur Instagram. Mais sur le live, je préfère mettre Totoro que ma tête. En plus, c'est chaud de flasher avec l'application en mode selfie. Parce que tu choisis pas la caméra que tu utilises sur l'application. Donc, je vais tirer un peu mon masque vite fait pour la photo. Je me permets. J'aime vraiment bien encore celui-là. Il y en a quelques-uns avec des tout petits carreaux comme ça. Et celui que j'avais fait à Nice, il avait des trop petits carreaux, mais c'était pas aussi petit que ça, si je me rappelle bien. Mais il est vraiment cool. J'aime beaucoup le T-Rex et tout. Il y a vraiment des beaux spécimens ici à Ravenne. Je suis content d'être venu. Pas oublier Totoro. Alors, qu'est-ce qu'on veut ici? C'est bizarre parce que je pensais avoir vu, j'imagine que tu connais le site Spotter Invader, et je pensais avoir vu sur Spotter Invader qu'il était désactivé celui-là. Alors du coup maintenant, dans quelle direction va-t-on se mettre à l'ombre? Espèce de vaisseau. Ah voilà, merci. En fait, sur mon Discord, il y a un slide où on met des trucs bizarres. Ah, c'est bizarre. Ah ok. Ah bah, si tu veux, j'en ai pas mal, j'en ai pris quelques-unes. Bah, c'est pas des trucs bizarres, mais j'ai fait des photos où il y a ma moto à côté des invaders. Sur ceux qui sont vachement gros et qui sont accessibles, où on peut voir la moto et tout. J'ai fait pas mal de photos assez drôles. Enfin, assez drôles. Moi, je te passerai mon Instagram si tu veux. Bah, mon Instagram, c'est Bobby Belgian. Non, ah, d'ailleurs, c'est un mec qui l'a fait. Hashtag Instagram. Instagram. J'ai fait une commande ou pas pour Instagram? Non, pas comme ça. Alors, tu testes? Non, j'ai pas fait de commande pour Instagram, mais bon, c'est Bobby Belgian. Barmok aussi d'ailleurs, peut-être moyen de me trouver via Barmok sur Instagram. Donc. Attends, je vais vite fait check le... Ah ça va, le niveau réseau ça a repris. Alors, donc 19 il est fait. Ah non, ça c'était le 16. 16, donc on va aller voir le 04 qui va être là-bas derrière, c'est bien ce que je me disais. En tout cas il fait hyper beau, c'est très agréable. Je suis content d'être venu ce week-end-ci à Ravenne. Je ne pouvais pas rêver mieux. Alors, par contre, j'ai eu un follow que j'ai pas vu. Ah ben non, c'était toi. Alors, le 4. Où est-il? Il doit être quelque part ici. Ah mais là il y a un gros truc en construction, je me demande s'il n'est pas derrière ça. Non. Non, il ne sera pas sur le pinac. Il va être... Ah il est juste là, il est juste là. Ah mais je l'ai déjà fait celui-là, non? En tout cas j'en ai déjà fait un qui ressemble. Non, celui-là je ne l'ai pas encore fait. Attention, là il y a une jolie petite Harley Davidson bleue. Si je pouvais, je roulerais en ça moi, mais je n'ai pas les moyens. Après elle est un peu fine, enfin moi la mienne est grosse et en fait je la trouve trop grosse la mienne, mais je me demande si j'arriverai à mettre tout ce que je, enfin à voyager aussi facilement avec une plus fine. Faudra un jour que j'essaye. Hop. Ah, il va être sûr avec sa mort. Ah non ça va, j'ai direct du premier coup. Un monsieur qui fait de la photo.
Voilà, c'est flashé. Fais une petite photo. Non. On va faire un peu de vidéo. Alors pour la vidéo, j'aime pas me mettre à contre-jour par contre. Pour la photo, je m'en fous. Parce que je suis pas un bon photographe. Après, je suis pas un bon vidéaste non plus, mais. Ah, bah c'est lui avec la moto. Elle est belle votre moto, monsieur. On va regarder le trépied. Ah tiens, j'ai gagné une barre de batterie sur mon appareil photo, c'est cool. Ah, désolé, hein, je regarde pas trop le chat quand je m'occupe de ces affaires là. Pour essayer de m'appliquer un minimum, là je tiens la caméra comme un pied, et ça va aider à rester stable. Par contre, on n'a rien vu de ce qu'il y avait autour du coin. Ouais, on va aller un peu par là, même s'il n'y a pas d'invader par là. Par où je vais par là? Hop, je reprends le chat. Ça fait beaucoup de choses à gérer, mine de rien. Non, ça y est. Est en actif. C'est un autre qui me semble. Il a fait une petite photo pub du coup. Ah, ok. C'est gentil. C'est très gentil de ta part. Oula, elle est bien penchée là, la tour là. Je comprends qu'ils sont en train d'essayer de consolider le bazar. Du coup, on va faire une petite photo de la rue avec la tour penchée. C'est un peu la tour de Pise mais à Ravenne quoi. C'est dire que j'ai marché juste à côté sans me rendre compte que je pouvais me faire écraser par un bâtiment à n'importe quel moment. Maintenant j'ose même plus aller par là. Elle est bien penchée. Hein. Alors, où ensuite? Alors ça, c'était le 4. Et on va aller, alors le 16, non le 16 c'est celui que j'ai fait juste avant, du coup on a le 15, on va repasser par là. Voir le monsieur qui fait de la musique, non on va faire le tour, allez alors. On fait le tour. Ça c'est la Harley ça. La mienne elle est un peu moins bruyante. J'aime pas trop le côté un peu trop bruyant des Harley en fait. C'est le seul aspect que j'aime pas chez les Harley. Il y en a qui adorent le bruit. Alors elles ont un beau bruit hein, mais je trouve que c'est un peu trop bruyant. Il vaut mieux avoir un beau bruit sans le faire trop fort, je trouve. Soit. Petite parenthèse moto lors de ce live. Hein. Alors, sur une update batterie, j'ai 44% sur le téléphone qui me permet de partager la connexion et de flasher les invaders. Et j'ai 82% sur le téléphone qui me permet de streamer. Donc je suis bon au niveau streaming, la caméra elle devrait rester. Par contre si je tombe à court de batterie sur le téléphone qui me permet de partager la connexion, ça va pas tellement le faire. Bon, sur ce, en même temps c'est celui qui a l'écran tout le temps allumé lui, et que je suis obligé de monter la luminosité. Nous sommes ici dans une impasse. Mais, ah oui, d'accord, c'est le petit angle ici. Il y a un joli petit restaurant. Un endroit un peu plus tranquille. Pizzeria, restaurant. C'est vrai qu'il faut que je mange une pizza. Je suis quand même en Italie. Si je passe en Italie sans manger une pizza, c'est un sacré lâche. On fera ça sans doute ce midi ici, à Ravenne. Hier, j'ai mangé des pâtes.
Le voilà, je le vois direct, bim, je tourne, je le vois. Le voyez-vous? Il est beau. Que c'est le mignon, le petit chien. Kawaii. Ok. Donc, on sort notre flasher. Hop. Et on flash. Et nous y voilà. 587. Qu'est-ce que nous avons d'autre à faire ici dans le coin? Le 32 et le 20. Ouais, 32 et 20. On va aller voir le 32 en premier. Et après, là, il y a un coin où il y en a pas mal tous ensemble. Ok. Est-ce que genre 28 et 37, j'ai déjà fait? Je pense que oui. Le 28, 37, hein? Ouais. Ah oui, d'accord, ça. Ah bah tiens, justement, je m'étais dit, quand je fais le 32, non. Ah oui, non, c'est après, je vais devoir faire le 17, et le 18 et le 17. Bon, je commence à avoir chaud, je vais devoir retirer mon pull. Si je retire mon pull, il faut que je bouge le sac, ça va déranger la caméra du stream. Ah, il y en a un autre là, juste à côté. Ça, c'est le 32 du coup? Ouais. Celui-là, j'avais galéré un petit peu à le localiser parce qu'il n'y a pas moyen de venir vraiment bien ici sur Google Street. Sur Google Street View. Et vraiment, il est très joli, toujours aux couleurs de l'Italie. Très sympathique. Ravenna avec les petites vagues. Et donc, on se le flash tranquillou, bilou. Et ça va nous refaire une trentaine de points. Bim! On enchaîne. Et alors là, il y a des... Ah ben c'est un Brésilien du coup. Je me demande si j'avais pas vu certaines de ses œuvres justement à ce Brésilien-là. Juste à côté de... Juste, enfin, dans le même quartier que là où j'ai découvert les Invaders en fait. Très belle fresque. Avec de très belles couleurs. Sur, j'imagine, une référence aux ancêtres brésiliens. Très très sympa, petit tout petit coin street art. Juste à côté, il y a des affiches. Je sais pas si c'est des annonces de décès. Un truc pour l'art, un truc pour les annonces de décès. J'ai l'impression. Voilà. Pour le 32, je vais faire une petite vidéo. Il est super beau. Ouais. Quelqu'un regarde ton live sur sa télé. Bienvenue. Donc, alors, je suis désolé, j'essaye de pas trop mettre mon bras devant la caméra quand je fais. Oula! Oula, par contre, ici, on est bien en contre-jour. Ça va être chaud d'avoir l'invader. En plus, je vais me mettre dans le soleil. Et si je me mets dans le soleil, je suis complètement contre-jour, donc j'aurai rien du tout. Parce que, ouais, non, et si je me mets là, je l'ai plus. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai fait ce que j'ai pu. On va faire une photo. Après, en soi, j'ai la vidéo du live aussi. Hein. Mais voilà, il n'y a pas moyen d'avoir la fresque et l'invader bien sur la même photo. Alors, que se passe-t-il ici? Pourquoi est-ce qu'on est là? Ok, ensuite, nous continuons. Des fois, je peux peut-être louper des commentaires à cause de l'application qui des fois se barre ou quoi.
quand je le mets dans ma poche, mais normalement, okay, voilà. Normalement il les recharge plus ou moins. Alors du coup là je continue par là, je fais le tour de ce bloc là, je tourne ici à droite et il y a le 20, le 20, le 14 et le 5. Je vais aussi faire le 38. Donc, je commence vraiment à avoir trop chaud et puis le soleil il est de plus en plus au zénith, du coup je vais de moins avoir d'ombre. Donc bah, je vais arriver jusqu'au 20 et au 20 je vais essayer de vous poser pour que vous puissiez voir l'invader et moi pouvoir retirer mon pull. Il t'en reste combien? Alors je pense dans la ville même il m'en reste genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, il m'en reste 7 je pense, ouais environ 7. Et par contre après il y en a 3 qui sont au niveau du port, mais je vais pas, je sais pas si je vais relive parce qu'en gros je dois, c'est loin quoi, je dois prendre la moto pour y aller, ou alors je fais le live depuis la moto, mais quand je suis sur la moto je peux pas vous parler et checker les messages, donc c'est, ça perd un peu de son intérêt au niveau du live. C'est pas à moto, c'est pas loin, mais à pied il y en a pour combien de temps pour aller au port? Direction pour 2h37. J'ai pas trop l'intention de marcher 2h aller, 2h retour, donc on ira à moto et c'est pas grave, je mettrai un terme au live et moi ça me permettra d'aller manger mine de rien, ce qui va bientôt être midi je pense. Donc ouais le temps de faire les 7 derniers je pense ça va être nickel, je déjeune et puis après bah, ça me permet aussi de reprendre la route direction Rome, dormir, trouver un endroit où dormir. Et donc le 20, il serait ici, je pense. Merci pour le follow, Nexus. Ah, il est là. Il est là, tout petit, tout caché. Avec encore ici, il y en a quelques-uns avec des carreaux dorés. C'est plutôt sympa. Je sais pas, enfin, vous plaignez pas de ne pas les voir, donc j'imagine que vous le voyez. Juste à côté du signe, entre la caméra. Et... il est vraiment très joli. Encore une fois, on va le flasher. Tu viens du Discord, Nexus. N'hésite pas à te présenter. Là, je vous fais le flash. Là, tiens. Et voilà. 20 points supplémentaires. Et on va faire maintenant ce que j'avais dit que j'allais faire, c'est-à-dire retirer mon pull tout en vous laissant la vue sur l'invader. Je vais par contre vous mettre à l'ombre. Hop, on range ça, on pose la caméra. Pas du tout le fait qu'il y a un invader juste au-dessus de leur tête, c'est assez magique ça. Non, moi, je préfère que je me rapproche peut-être. Donc je fais une petite pause pour retirer mon pull parce qu'il commence à faire chaud. Et donc je promène, j'ai une GoPro sur mon sac à dos. J'ai deux téléphones, un téléphone pour regarder le live et un téléphone pour flasher. Et regarder le live et faire le live aussi. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je promène, c'est ma première fois hein, où je fais des lives invader. Donc s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas. Au niveau du son, je fais ce que je peux avec la GoPro. Je
Je peux y mettre un micro normalement pour le moment, mais c'est des emmerdes en plus, du coup je l'ai pas fait. Pour le moment on m'a dit que le son était pas trop mauvais, même si là au final je suis assez loin, je pense que ça va. J'ai l'air d'un con à parler tout seul à mon sac, hein, mais je sais qu'il y a des gens donc ça me va. Allez, hop, on passe de l'autre côté. On ouvre le sac, je vais vous chambouler un peu. Et on met ça dans le sac, et au passage je vérifie si j'ai pas. J'ai pris mes batteries de. Mes batteries d'appareil photo. Je vais oublier ça, moi. Désolé. Fallait y avoir un accident apparemment. Donc non, j'ai oublié mes batteries d'appareil photo. Donc je vais devoir me débrouiller comme ça. On les chargera pendant la nuit. Ou alors elles sont ailleurs quelque part, mais je sais pas où. Ouais, je regarde, j'inspecte le contenu de mon sac. Voilà, bon, désolé un peu pour le remue-ménage. Je vous récupère, je ferme le sac. Là, faut par contre que je vous fasse redescendre. Ici. Non, ça c'est trop. Voilà. Hop. Ok. On récupère le chat. Qu'est-ce qu'il se dit? Le son ambiant, c'est toujours ultra lourd. Bah ouais. Les gros camions et tout. Bah en soi, les gens qui passent, et les... ça me gêne pas trop. Même sans micro. Ok. Te faudrait des écouteurs micro. Plutôt que le son ambiant. Ouais. Bien, ouais, c'est ça. C'est que pour le côté son ambiant, ça m'embête surtout quand il y a des voitures en fait. Quand il y a des gros camions qui passent et tout et qui font plein de bruit. Que en soi, normalement, j'ai fait le nécessaire pour pas qu'il y ait de vent trop. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de vent. Parce que ça, je sais que moi j'ai du mal. Quand je regarde des vidéos et qu'il y a des bruits de vent, ça m'énerve. Parce que les bruits, le vent qui rentre dans les micros, c'est insupportable. Du coup, je sais même plus si je l'ai flashé. Si, je l'ai déjà flashé. Parce que des fois, ça m'arrive. J'en fais un, j'arrive à l'endroit où je dois le faire et tout, je regarde tout ce qu'il faut que je fasse et j'oublie de le flasher parce que j'ai fait mes photos, j'ai fait mes machins et tout et au final j'oublie de le flasher. Ça m'est arrivé une ou deux fois, pas beaucoup plus hein, mais une ou deux fois, c'est déjà de trop. Alors il nous reste le 38, le 14, le 5, le 13, le 18 et le 17. Alors on va aller vers le 38. Le 38, je vérifie si je ne l'ai pas déjà fait. Non, 38 pas déjà fait. Et le 38 ça va être par là je pense. Hein. Non? Non. Par là du coup. Allez. Oui, niveau du son c'est mieux là parce que bah ouais quand je vous avais déposé fatalement, c'est un peu plus loin. Ah, j'essaie de... ah oui d'accord, ok. Ah ouais, les niveaux des connexions et tout. Moi là, en tout cas mon stream, si je sais sur quel téléphone que je vous quitte vite fait. Ouais. Ma connexion. Voilà, je suis... Ouais, après, ouais, c'est ça le truc. À mon âge, j'ai l'impression que Tordvid, il a peut-être pas une connexion internet du feu de Dieu. Du coup, c'est peut-être un peu délicat. Ah oui, je vois où il est. Par contre, il y en a un qui est désactivé là-bas, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs ici dans le coin. Celui qui est désactivé, c'est un grand en plus, c'est un peu dommage. Alors ici, on a rien du tout en fait, ici. Là, on a une jolie petite église, j'imagine, encore, où... Il y a des croix, à chaque fois quand je vois des croix, c'est devenu un musée apparemment, musée national. Mais là, il y a des jolis petits bâtiments en Italie. C'est vraiment une des parties que j'adore, la déco.
la découverte de nouveaux endroits, d'endroits où j'aurais probablement jamais été s'il n'y avait pas des invaders. J'aime beaucoup. Ou alors j'y aurais été, mais pas de la même manière, quoi. La façon dont ça fait découvrir les choses, j'aime beaucoup. Donc là, normalement, il y en a un. Mais il n'est pas là, et il y en a un autre juste à côté. Donc là, sur ce mur-là, il y en a un assez grand, normalement. Avec deux visages, en fait, deux personnes avec des vêtements typiques de Raven. Et du coup, je pense que comme celui-là, il est plus là. Ah ben non, c'est celui-là que j'avais marqué. Du coup, celui-là, il est HS, faut que je le marque HS sur mon téléphone. Donc on a trop rien d'autre. Donc voilà, normalement, il y en a un là. Un beau, un grand, qui aurait rapporté plein de points. Mais bon, tant pis, il faudra revenir quand il aura été réactivé, si un jour il est réactivé. Je suis à Ravenne, en Italie. Monsieur Belette, c'est pavé, hein, si je me rappelle bien. Ouais, non, c'est pas pavé, c'est Monsieur Belette, c'est JC. C'est JC. Et ça drop pas trop. Ok, ça drop pas trop. Très bien. JC, connard. Bah oui, je suis con, en plus Pavette, c'est marqué Pavette, son pseudo. Mais je disais, il y a des gens, ils débarquent avec trou de balle. Tu sais, je sais qu'il y en a deux qui débarquent de... Tu sais, il y a des différentes communautés qui viennent me rendre visite. T'avais qu'à mettre JC comme pseudo, hein, j'aurais su direct. désolé, je m'excuse, mes plus plates excuses. Alors, ben toi, tu dois connaître les Space Invaders, JC. Toi, de ta culture geek, tu connais le jeu, bien évidemment. Mais est-ce que tu connais le street art de Space Invaders? Parce que c'est ça que je suis en train de faire. Alors là, on va se diriger vers le 14. On va repasser devant le 20. Oui, tu connais. Eh ben voilà, là, je suis en train de faire les Space Invaders de Raven. Il y en a 40, normalement. Mais il y en a quelques-uns qui ont été désactivés, comme celui où, là où je suis passé, le mur est vide. La trentaine d'autres qui restent, je suis en train de me les flashouiller, tranquillou. Il y en a un juste là-bas au coin, près de la caméra de sécurité. En fait, il y a un signe avec un T pour le nom du bar. Et il est vraiment bien caché entre les deux là. Je vais le remontrer. Vu que je repasse devant, le monsieur qui boit son café, à chaque fois, il doit se demander « Mais c'est qui cette énergumène qui me filme avec ses 30 caméras, là ?» Mais voilà. Pour le bien du stream, je vais refaire un petit pas latéral. Là, on le voit en haut. Il est tout doré. Il est tout joli. C'est vraiment une belle pièce. Et donc, là, on se dirige vers... faut trop que tu ailles aussi en France. À Firenze. Ah ben Firenze, c'est pas tout à fait sur mon trajet. Mais j'ai déjà été à Firenze. C'est mon voyage réto avec l'école des frères. On avait fait l'Italie. C'est beau l'Italie du Nord. Ouais. Je savais pas qu'il avait fait une appli. Ah, il a fait une appli en 2014. Hein. Il a fait une appli en 2014. Donc ça fait déjà longtemps. C'était même avant Pokémon Go. Il y a beaucoup de gens qui comparent ça à Pokémon Go parce que c'est un peu le côté chasse, attraper les tous, tu vois. Et si, il a fait une application en 2014 qui fonctionne très bien et qui met à jour régulièrement. C'est assez pas mal du tout. Parce que moi, elle buguait un peu sur mon nouveau téléphone et ça a été réglé. Alors là, on a le 14 à récupérer. Je parlais justement de 2014. Est-ce un hasard? Je ne sais pas. Où est-il? Alors, il faut le trouver d'abord. Il est ici au coin quelque part. Ah, juste là. Voilà, on voit encore un bel exemplaire. Avec de nouveau, là, c'est pas des dorés, c'est des argentés, mais il s'est fait plaisir en termes d'effets un peu brillants. Alors, actif. Du coup, alors là je suis en plein milieu de tout, pardon. Il y a une voiture qui arrive. Je vais me mettre de côté.
Et alors, j'en ai combien à Ravenne? J'en ai 24 maintenant. Il m'en reste 7 et il y en a 3 au niveau du port. Je pense qu'il y en a un qui est peut-être désactivé au niveau du port par contre. Et voilà, on fait 30 points supplémentaires. Je suis à 590 au total. 590 Invader scanné. Une belle petite pièce encore. Je vais faire quelques petites photos. Comme d'hab, vous commencez peut-être à connaître la routine. J'essaie de garder un œil sur le chat. Te faut la photo pour valider les points ou juste la position GPS? Alors il faut la photo, la position GPS, il prend tout avec l'application en fait. Quand tu prends l'application, je peux te montrer ici, un chien, tu vois comme j'ai fait, tu es obligé d'avoir ta localisation, tu dois prendre la photo dans l'application, tu peux pas prendre la photo tout seul à côté. Et il te rajoute la galerie et tout, c'est vachement bien foutu, tu vois. Et si jamais, par exemple, des fois c'est en montagne ou quoi et t'as pas de connexion, eh ben tu le flash, il te dit désolé, pas de connexion, réessayez plus tard, et il te le met en fait dans ta galerie. Et donc, bah, pour être sûr, tu prends plusieurs photos pour être sûr qu'il y en a au moins une qui passe. Et quand tu récupères du réseau, tu peux les rajouter. Non, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien foutu. Le gars qui a développé ça, là, ils ont déjà été 3 à bosser dessus, c'est renseigné sur son site web. Et il y en a pas mal. Là, du coup, bah, on voit la liste les 25 maintenant que j'ai déjà flashé ici. Il y en a des très très chouettes ici à Ravenne. Et donc demain, normalement, je fais Rome, mais je sais pas si je vais avoir de la batterie pour live. Alors du coup, là, l'idée, c'était faire des photos. On va faire la photo avec la Rubizy. Hop là. Hop, baisser. Le truc, je vais peut-être... Alors, je vais regarder le niveau de batterie de la GoPro, par contre. Désolé, attends. Ouais, donc là, je vais... Qu'est-ce que ça dit, niveau batterie, la GoPro? Ça dit 100%. Du coup, je vais me permettre de vous débrancher un petit peu pour rebrancher mon téléphone. Sinon, je vais tomber à court de 4G. Ok. Il faudra par contre, d'ici une demi-heure que j'y pense, de toute façon, on aura sans doute terminé. Sinon. Il y a beaucoup de gens dans les rues italiennes, comme vous pouvez le constater. C'est pas du tout le cas à Nice, alors que Nice est quand même une ville assez busy. Je me rappelle pas avoir vu autant de monde. Donc si je fais... Une petite vidéo reveal de l'Invader. Voilà, voilà. Et donc la suite, je pense que ça se passe par là. J'ai Totoro avec moi. Je peux faire des Totoro. Il faudrait que je... Un gift, des points de chaîne pour une petite danse de Totoro. Pour vous occuper pendant que je marche et que... Voilà. Ça c'est fait. Alors j'ai encore perdu le chat. C'est hyper bien fait. Franchement, je suis sur l'autre jour. Alors, en fait, pendant très longtemps, je pense, pendant toute sa carrière, en fait, au niveau street artist, il y a Boxy qui est connu de tout le monde, mais c'est très très compliqué de se faire un nom et de faire de l'argent, surtout en fait, en tant que street artist, de faire l'argent de son art. Du coup, je pense que pendant beaucoup de temps, ce gars-là, il avait des activités à côté, lesquelles je ne sais pas, peut-être carreleur. Il se prétend comme étant le carreleur le plus rapide du monde. Est-ce que c'est là que je dois aller? Je ne suis pas sûr. J'ai peut-être loupé des commentaires. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Parce que des fois, mon téléphone, il s'éteint tout seul et je loupe une partie de la chose. J'essaie de retourner. Normalement, il me les recharge. Donc, j'ai pas dû en louper, mais bon. Au cas où, n'hésitez pas à me rappeler ce que vous avez dit ou à reposer vos questions. Voilà. Ok. Peut-être un peu plus pointé comme ça. Là, ça ira mieux. Quoi? C'est les mêmes types qui viennent faire les Invaders. Ah oui, oui, oui. Tous les Invaders, c'est fait par le... En tout cas, les premiers, c'est toujours lui. Il a été en fer dans le monde entier. C'est une seule personne. Par contre, les réactivations...
quand il y a des gens qui les retirent et tout, il y a des gens qui les réactivent, ça c'est fait par des équipes d'autres gens. Il y a des réactivations qu'il fait lui-même, mais sinon c'est un seul gars, ouais. Bon, après c'est un seul gars, genre on voit, il y a une vidéo YouTube, hein. Il y a une vidéo YouTube où il montre son invasion de Majorque, c'est ça? Je sais plus. Non, pas Majorque, une île tunisienne. Je me rappelle plus le nom. Djerba, l'invasion de Djerba. Et pendant l'invasion de Djerba, ils sont 4-5, hein. Ils sont 3 à poser les invaders. Il y a un photographe vidéaste et compagnie. Hein. Et il est bien entouré, mais les invaders en lui-même, c'est lui tout seul. Alors du coup, normalement, là, il y en a un, je pense, sur ce bâtiment-là. Non, c'est pas ici. Je sais pas du tout où il est. Il m'en manque un, je ne le trouve pas. Alors, où suis-je déjà? Là, j'allais vers le 38. Le 38, c'est de l'autre côté. Ouais, de 1998, ça me semble probable. Le gars a... En soi, il est pseudo-anonyme. Hein. Moi, j'en avais parlé avec une amie. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle la trouve aussi facilement, parce que j'avais déjà un peu cherché par là, non, sans vraiment essayer de connaître son identité. Mais vu qu'il a fait des expositions dans beaucoup des villes où il y a des invaders, il y a eu des expositions de son art, il est un peu connu de certaines personnes. Contrairement à Banksy, dont l'anonymat est beaucoup plus total. Si tu cherches un peu en ligne, il y a moyen de trouver l'identité du gars qui fait Space Invader. Il s'entoure de gens, il s'entoure bien. Il fait ses expositions aux quatre coins du monde, notamment en Corée. En Corée, dans la ville de Corée où il a fait son invasion, je pense que quasiment tous les invaders étaient autour du musée, en fait. Du musée où il y avait la... Alors, le 38, ça va être ici à gauche. Mais non, le 38, j'ai déjà été par là. Le 38, c'est celui qui n'existe plus. Bon, je fais n'importe quoi. D'ailleurs, je vais le marquer, lui. Parce que sinon, je vais me refaire avoir. HS. Toi, tu vas peut-être de temps en temps à Paris. À Paris, il y en a beaucoup. À Bruxelles, il y en a quelques-uns aussi. Du coup, ouais, il y a moyen d'en voir pas mal. Moi, j'ai découvert ça à New York. J'en parle déjà dans certaines de mes vidéos. J'ai découvert ça quand j'étais à New York. J'ai fait un street art walking tour. Et pendant le street art, pendant la balade, il y a le gars, il expliquait ce que c'était. Alors lui, label HS. Voilà. Comme ça s'est fait. Et donc là, on part sur le 5. Le 5 qui est de l'autre côté là-bas, mais il faut faire tout un détour pour y arriver. À moins qu'il y ait des petites rues, mais non, il n'y a pas de... D'ailleurs, là, l'été dernier, il avait fait une invasion de Marseille. Il y en avait déjà 13 à Marseille, il en a rajouté beaucoup. Il faut encore que je sorte une vidéo YouTube à ce sujet-là. J'essaye de l'éditer, mais enfin, je prends pas assez de temps et je machin. Je slack. Je fais le gros fainéant, comme d'hab. Mais il y a une expo à Ljubljana pour le moment. Et moi, le truc, c'est que je devais faire normalement le Metal Days. Le Metal Days qui est en Slovénie. La Slovénie est donc pas très très grande. Je m'étais dit, quand je ferai le Metal Days, qui est un festival de métal qui dure une semaine, eh ben j'irai à Ljubljana checker ça. Et bah déjà, il y en avait déjà avant, et il a refait une invasion, il en a rajouté. Et là, du coup, bah, peut-être... faut que je vois, parce qu'ils ont dit... Ils ont d'autres expos prévues, et je sais pas s'ils vont décaler l'expo suite au corona ou pas, parce que du coup il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu y aller à l'expo. Du coup le 5,
Là, faut que je continue par là. Et il va y en avoir un juste là-bas sur une façade. Je pense que je suis passé devant tout à l'heure quand j'étais à moto. Ah bah il est juste là au coin. Hop, on y va. On va déjà faire la photo. Bim. On sort l'application Space Invader. Toujours le petit bruit, le petit bruit magique qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur. Il y a WeViewer, ouais, c'est cool. Hein. Et le Japon, toujours prévu, jusqu'à nouvel ordre. On attend de savoir si ça va vraiment être faisable, mais tous mes papiers sont mis en ordre. J'ai envoyé tout ce qui est photo, tout ce qui est nécessaire. Et en fait, là, l'organisme qui s'occupe de m'inscrire dans l'école, bah, il me donne plus trop de nouvelles. Ah, il y a le 13 là-bas à aller faire. Ouais, on va aller faire le 13 d'abord. Pour monter par là, encore un peu par là, et puis par là. Là, on sort un peu du centre-ville. Il va y avoir plus de voitures et peut-être moins de monde. Mais donc, ouais, le Japon, c'est prévu. Moi, j'espère partir en septembre. Et normalement, là, le début de la session des cours, c'est octobre. Donc, pour le moment, c'est ça le plan. Et donc, là, je suis un peu en train de prendre mes distances avec le boulot. J'ai plus de mission en fait, c'est que j'étais consultant et j'ai plus de mission parce que j'ai annoncé à mon client que j'allais partir au Japon, que je faisais déjà plus grand chose pour le client et que du coup en fait c'était surtout pas la peine de me former sur les compétences qu'il voulait que j'approfondisse parce que bah, me former là-dessus, si je me barre, c'est pas bon plan pour eux. Donc ça c'est réglé, enfin voilà, et du coup maintenant je suis en train de voir avec ma boîte de consultance comment on s'arrange, est-ce que je continue, est-ce qu'ils arrivent à me trouver un boulot que je peux faire depuis le Japon, est-ce que je démissionne, est-ce qu'ils me virent, je ne sais pas, on verra, ça c'est le mystère. En tout cas merci à tous les viewers d'être là, de par moi-même, il t'en manque combien maintenant, il m'en manque genre 5 je pense. Enfin, 5 à l'intérieur de la ville. Ah, ou 3? Non, il m'en manque 3, je pense. 3 à l'intérieur de la ville. Faudra que je vérifie. En fait, ce que je fais généralement, et j'avais fait ça, j'avais fait pareil quand j'avais fait la Suisse, c'est que je les fais tous, ou du moins, quand je pense les avoir fait tous, je vais manger. Généralement, quand j'arrive suffisamment tôt, bah là, ça va être parfait, il va être midi. Donc, je vais manger. Pendant que je suis en train de manger, je fais une vérification de voir si j'en ai pas loupé un. Et puis s'il m'en manque un, je vais les faire. Mais là, normalement, dans le centre-ville, il m'en manque 3. Puis il y a les trois du port, quoi. Là, il y en a un qui est un peu excentré, du coup, faut aller jusque là-bas. On va être gentil avec le monsieur. Hop. Est-il là? Est-il là? Et donc je disais, ça fait plaisir d'avoir pas mal de viewers pour une fois. Enfin, pour moi, 9, c'est déjà bien. Surtout par moi-même, en fait. C'est que j'avais déjà eu des viewers qui venaient par-ci, par-là. Et j'étais toujours très content. Des gens qui débarquent, ou parce que j'avais fait un peu de pub, etc. Mais sinon, en fait, c'était beaucoup par des raids. J'ai fait connaissance avec pas mal de monde pendant les confinements sur Twitch. Et du coup, j'avais des raids de temps en temps. Ce qui faisait plaisir. Et là, je dois dire que bah, du coup, c'est de par moi-même. Et il y a une autre fierté de ça. Des viewers que tu arrives à acquérir par toi-même. Donc merci à tous d'être là. Je vous en suis très reconnaissant. Merci pour le follow de Nexus aussi. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Et surtout, bah, là, c'est plus ou moins. C'est assez stable aussi. Amji, vu que je suis sur la 4G de manière internationale, savoir que mon plan téléphonique me coûte en France 10 balles par mois. 10 balles par mois. Donc c'est assez bon marché, hein, même pour la France. Et donc,
Donc je sais, j'étais pas sûr que pour les 10 balles par mois que je paye, ils soient tout à fait d'accord que je fasse des lives depuis l'Italie. Mais apparemment, ça a l'air de se passer. Alors il est où du coup lui? Il est sur une façade ici quelque part. Il doit pas être loin. J'ai fait le repérage à l'avance, hein, ça je le gère maintenant. Ah, il va être ici juste au-dessus du panneau. Ouais. J'ai failli mourir écrasé par un bus. Bon, on va traverser là-bas, on va essayer d'être correct ou pas? Allez, non, on y va. Hop, on va se retrouver à 4 jours un peu par contre. Mais il est là, il est beau. Il est encore une fois plein de brillants. Et là, on voit la circulation. S'il n'y a plus de roaming. Il n'y a plus de roaming data en Europe. Ouais, médecin, ouais. Moi, en tout cas, quand j'avais été en Suisse, j'avais dû prendre une carte. Le data roaming, en fait, là, je suis quand même limité. Hein. Je pense que j'ai droit à... Parce que en termes de giga... Alors, je vais le flasher et je parlerai après. Et voilà, le RA13. Ce qui me ramène à... En total, j'en ai fait 27 sur les 40 de Raven. Je pensais qu'il y en avait plus de disponibles. D'ailleurs, je pense que j'en ai loupé certains, en fait. Faudra que je les repasse en revue. Je vais sortir ma caméra. Ça donne vraiment envie d'aller à Raven. Eh ben ouais. Faut que tu convainques tes parents d'aller faire un tour en Italie. Au passage, tu peux peut-être passer par la Suisse. Faire ceux de Suisse. Il y en a quelques-uns en Suisse. Et puis aller visiter l'Italie, il y a Florence pas loin, c'est l'occasion. Venise aussi, si tes parents ont envie d'aller à Venise. C'est vraiment le bon plan. Hein. C'est très chouette comme ambiance. Nous y voilà. Alors malgré qu'elles font du bruit dans mes vidéos, les bruits de moto, j'aime quand même un peu ça. Hein. Je suis motard un jour, motard toujours. Je vais rester au soleil un peu. De toute façon, le soleil il est de côté. Il ne devrait pas trop nous gêner. Et donc, je disais. Je me rappelle plus ce que je disais. Ah oui, et ça, c'est que niveau data, j'ai un plan à. Je sais plus si c'est. J'ai plusieurs dizaines de gigas en France que je dépasse jamais. Je sais plus si c'est 30 ou 50 ou 60. Enfin voilà. Suffisamment de data en France que pour jamais être trop embêté, à part quand vraiment j'abuse et notamment en fait quand j'avais pas la fibre, des fois je téléchargeais mes jeux PS4 sur ma data parce que la connexion que j'avais à la maison était vraiment pourrie. Et il y a vraiment que si je fais ça que je vais tuer ma data. À savoir que streamer, je pensais que ça allait prendre vraiment beaucoup de data et en vrai, je sais pas s'il y a des taux de compression de malade ou quoi, mais en vrai streamer, bah ça prend hein. Mais c'est pas. Enfin, j'en ai déjà fait quelques-uns à Nice là, qui m'a pris 1h30. Et je pense qu'au final, ça avait coûté 3-4 gigas peut-être, grand max, moins, même moins. Et donc, en dehors de la France, je pense que mon opérateur me donne droit à 5 gigas de stream, enfin de data, un truc dans le genre. Et après quoi, ben. 5 gigas par mois donc, hein, bien évidemment. Dans les pays que je veux, mais du coup c'est 5 gigas au total. Mais je les ai jamais trop dépassés jusqu'à maintenant, mais ça serait pas impossible que ça arrive un de ces jours. Si je commence à streamer depuis l'étranger, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça dit? 31 actifs en ce moment. Ok, merci beaucoup pour l'info. Du coup, sur 31 actifs... J'en ai déjà, je disais 28, même plus. J'en suis déjà à 27. Il n'y en a pas plus que 31? J'ai l'impression qu'il y en a plus que 31. Parce que là, il m'en reste 2. Il m'en reste 2 ici. Ouais, le 18 et le 17. Et après, je pense que... Ah oui, oui, non, c'est vrai. Et j'en ai que deux. Il y en a un qui est désactivé au niveau du port.
Ouais, c'est ça. À chaque fois, ça me fait penser à la série Silicon Valley, là. Ils arrivent à faire des transferts de vidéos hyper compressés. Et quand je vois que le fait de streamer, ça pompe pas tant que ça sur la data, même en 720p, là, je fais quand même de l'upload en théoriquement en 720p. J'imagine qu'ils font de la compression de malade pour éviter de devoir envoyer toutes les données. Bergamo, c'est beau aussi. Et il y a un aéroport. Ok. Je connais pas trop. En vrai, je suis en voyage resto ici en Italie, donc il y a maintenant 12 ans. Et je vais assez peu en Italie. Enfin, j'ai passé assez peu de temps en Italie de manière générale. Mon père y a été, mais quand on n'allait plus en vacances avec mon père. Quand il était. Quand il devait nous prendre dans la voiture. Il se disait toujours, quand il a eu des enfants, il a arrêté d'aller en Italie en se disant la route ça va être trop long, ils vont me faire chier. Et quand il a été retraité, il s'est dit bon, je vais retourner en Italie parce qu'il n'y a plus les enfants et plus chier. Et donc j'ai vraiment bien choisi mon week-end. Le week-end prochain, parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec... J'ai un peu du mal, je suis désolé. C'est pas particulièrement pratique à prononcer. Tordvid. Le week-end prochain, normalement, je vais en Espagne. Enfin, je vais faire je vais flasher en France et en Espagne. Notamment à peut-être, enfin, sans doute Perpignan, Barcelone, Bilbao et Montauban, que j'ai pas encore fait. Que les autres villes j'ai déjà fait, donc faudrait que je vois ça. Pourquoi c'est jamais au vert là, ou alors j'ai loupé le vert. Je suis tellement distrait que je loupe le vert. Putain, le bruit, j'ai hâte qu'il y ait des voitures électriques partout et qu'il n'y ait plus de bruit. Franchement, je suis assez impatient en vrai, même en tant que motard. Ça me dérangerait pas. Ah non, il n'y a jamais de... Ah mais j'appuie sur le... Je suis un peu un teubé aussi. Hein. Si j'appuie pas sur le bouton, il met jamais le... C'est ça que je trouve aussi. T'as déjà flashé ceux à Toulouse? Ah oui, il y en a. Bah, alors, je les ai déjà tous eus à Toulouse. Sauf un qui est sur l'autoroute. Et comme j'avais fait grosse soirée avec un pote de Toulouse, bah, quand j'étais sur l'autoroute, j'avais un peu la gueule de bois du lendemain de la veille. Et je me suis pas senti, tu sais, c'était pas raisonnable de s'arrêter et de commencer à essayer de trouver un moyen d'aller choper celui qui est sur l'autoroute. Donc je me suis dit, je le ferai une autre fois. Et donc j'ai pas celui qui est sur l'autoroute à Toulouse. Et je pense qu'il y en a un qui a été réactivé, normalement. Du coup, oh là là. Franchement, ici j'ai un exemple de Carrefour qui met la priorité aux voitures absolument. Quand t'es piéton, t'as 12 secondes pour passer, même pas. C'est le genre de choses qui me révolte un peu. Et donc tout ce qui est Pau aussi, parce que dans le même coin il y a Pau. Pau, normalement je les ai déjà tous faits. Je vais éventuellement vérifier sur Invader Spotter s'il n'y a pas eu de réactivation, mais pas que je sache. Parce que c'est dans le même coin. Après je peux pas commencer à faire toutes les villes non plus quoi. C'est que s'arrêter à chaque ville, ça prend un peu de temps. Je vais peut-être essayer de déposer un jour de congé supplémentaire du lundi. Parce que pour le moment, je devrais faire jeudi. Donc en gros, jeudi après-midi, ce serait Perpignan. Ça dépend. Ça peut peut-être être jeudi. Il faut que je voie avec de la famille. Mais donc jeudi, ce serait Perpignan. Donc vendredi, ce serait Barcelone. Direction Bilbao, et puis après donc samedi Bilbao et dimanche Montauban. Ça me paraît un peu short de faire tout ça, donc surtout qu'il y a les Pyrénées entre les deux, et que les Pyrénées ça va être bien cool à rouler à moto dedans, donc histoire de pouvoir prendre un peu plus mon temps, je vais peut-être essayer de poser un jour. Alors, où sommes-nous?
Next. Qu'est-ce que tu me veux là, toi là? Vas-y, va mourir. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Barcelone, c'est top. Barcelone, j'ai déjà été quand j'étais gamin. Mais ça fait longtemps. Ça fait ça doit faire 15 ans que j'ai plus été à Barcelone. Il y a Valence aussi à voir en Espagne. Alors Valence, je sais pas ça, non, parce qu'on avait fait Barcelone avec mon père, on a fait Barcelone, on logeait à Lloré de Mar, pas loin de Tossa de Mar. Tossa de Mar, c'est là où il y a la fête. Enfin, je sais plus. Enfin, c'était soit le Tossa, soit Tossa, soit Lloré, celui où il n'y a pas la fête. Hein. Et on avait été vite fait se voir celui où il y a la fête, tout le temps. Et on a peut-être fait Valence. Valence, c'est pas là où il y a le musée de Salvador Dali? Non, c'est un autre truc. Parce qu'il y a la ville natale de Salvador Dali aussi qui est sympa. Pau 03. On me vérifie en live les stations. Pau 03. C'est le seul que j'ai pas à Pau. Peut-être. Arrête vite, fils et fait dessus. Faire des... que je... le... Alors. Quoi ton? Putain, j'ai l'air malin moi, avec mes deux téléphones. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Bug? Est-ce que ça a plus de batterie? J'ai peut-être plus de. Vérifier sur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui. Essayer de bouger, peut-être récupérer un. On a des interférences. J'en suis navré. Désolé pour les interférences. Oh là là, faut que j'aille loin pour le 17. Le 17, il est là-bas tout au bout. Alors, je sais pas ce que ça donne. Tu drops sec? Bah ouais, je sais pas, c'est ma 4G qui... Comme je dis, je paye que 10 balles par mois, du coup forcément, niveau 4G, je suis pas forcément... Je sais pas si c'est moi. Non, là du coup c'est moi, hein. C'est moi qui ai des soucis, j'ai eu un offline. Je suis pas un professionnel, hein. Je ne suis qu'un amateur, j'en suis désolé. Merci de votre fidélité malgré tout. Au Japon, en fonction de mes moyens, j'opterai peut-être pour un plan téléphone. De toute façon, ça va déjà me coûter nettement plus cher au téléphone. J'espère que le plan téléphone que j'aurai au Japon me permettra de live correctement. Déjà, pour Mister Belette, Mister Belette JC. Normalement, je t'en ai peut-être déjà parlé, hein. Mais je suis de retour en Belgique à partir du mois prochain, en fait. Vers le 11 ou le 12, ouais, ça, le 11 ou le 12 mai. Donc dans un mois, je suis de retour en Belgique pour l'été, en fait. Vive les voitures, hein. Et donc, depuis la Belgique, du coup... J'ai prévu de faire des invasions aussi, donc là c'est plus pour le mois prochain, on voit à loin. Hein. Mais je vais aller faire des villes comme Amsterdam, Rotterdam et d'autres endroits, Cologne je pense, ouais, Cologne, etc. J'ai pas mal de villes dans le nord à faire. Ok, fais signe pour boire un verre. Ouais, t'inquiète, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Alors le dernier, il est où le dernier? Où est-ce qu'il se cache? Il a bien marché là, il doit être dans le coin. Il est pas dans les poubelles? Non, il est encore un peu plus loin. Ah oui, d'accord, il est au niveau d'un espèce de carrefour rond-point bizarre. Aux Pays-Bas, ils ont l'air cool. Ouais, bah alors de nouveau, en fait, le souci, l'un des soucis, c'est le Covid.
et le fait que bah, les centres on se met un peu à l'abri des voitures, les centres de recherche spatiale européens dans lesquels il y en a, notamment bah, demain quand je vais à Rome, je ne vais pas pouvoir faire ceux du centre de recherche spatiale européen de Rome parce que c'est fermé. Et bah, c'est fermé à cause du Covid quoi. Normalement apparemment les gens sont hyper accueillants, hyper sympas, il suffit de leur envoyer des mails et ils sont vraiment gentils. Mais là avec le Covid, bah déjà moi dans mon entreprise, enfin dans l'entreprise où j'étais client pour rendre mes affaires, limite, enfin j'ai pas eu le droit de rentrer, j'ai dû déposer mes affaires à l'entrée, etc. Alors quand t'es même pas de la boîte, que t'es juste un espèce de touriste qui vient voir du street art, le Covid c'est no way. Mais ouais, donc pour tous ceux du, pour tous ceux des centres qui sont à l'intérieur, même Redu, j'aurais pu y aller, parce que Redu c'est en Belgique. Et j'ai fait ceux qui sont à l'extérieur et ceux qu'on peut voir de l'extérieur, mais j'ai pas réussi à voir les autres. Parce que bah, il faut rentrer sur le site. Après, maintenant que j'ai un meilleur téléphone, il faudra un jour que j'y repasse. Et ça, je vais pas hésiter à le faire quand je retourne en Belgique, aller me faire un petit tour à moto dans les Ardennes. Là. Éventuellement aller voir l'Aerospace Center et que ça accélère avec des vieux moteurs qui font plein de bruit. Allez, on va se taper là en plein milieu à côté de la bagnole parce que là normalement il n'y a personne qui roule. Et il est là notre dernier. Ça va être du 50 points ça, non? Il y a peut-être pas assez de carreaux. C'est 30 ou 50. Hop là. C'est toujours Redu, faut envoyer un... Ouais, je sais bien. J'ai déjà envoyé des mails à Redu, mais... Tudu, 50 points, ouais. J'ai déjà envoyé des mails à Redu, mais après, en fait, après le Covid, du coup, ils m'ont dit, bah, pour le moment, c'est pas possible. Du coup, faudrait que je les recontacte quand les choses se calmeront. Si les choses se calment avant que je parte, sinon ce sera pour quand je revienne. Après, je me fais pas trop de soucis pour cela, parce que ben, c'est ceux que personne va toucher, tu vois. Ils vont pas être désactivés de sitôt, quoi. Voilà. Bon, ben, j'ai un peu de pré-flashé tout ce que j'avais à flasher. Another nice day, 53. What do you mean 53? 50 points. I got 50 points. Hey yo! Did I miss much? Well, you missed about 2 hours of it. I'm about done. So I'm heading out towards the center. You can watch the replay. Sorry about that. But we can have a chat now. We can have a chat now. Tomorrow I'll be, maybe more in the afternoon, I'll be in Rome. In Roma. Yeah, it's like... But yeah, the weather is quite beautiful. Yesterday I spent the whole day on the motorbike, coming from Nice to around here. I pre-camped somewhere. In a field kind of thing, and I'm probably either do the same thing today, or maybe I'll try to find an actual legit campground where maybe I'll be able to charge stuff. Thing is, yeah, I don't even bring a charger, actually. So yeah, just gonna have to figure things out. Tomorrow is Rome, yes. Tomorrow there's like, I don't know how many, not that many in Rome. Well, there used to be a lot, but a lot of them have been destroyed. But there is a bunch in Rome that I'm gonna try to get. I'm gonna go that way. I'm starting to have my feet very, very sore. I think it's about like 3 hours that I've been walking nonstop. So yeah, it's getting somewhere where I'm just tired. Seems like there's like little walking path either from here
and then there, yeah. To not have all those cars making all that noise. Yeah, I'll watch the replay. I'm actually in, so Ravenna is near Venice, Venezia. So I've already been to Venice, but a long time ago, and I'm not gonna check it again. But I know you've been around these places. So you slept in a camping ground? No, I didn't sleep. I might sleep in a camping ground tonight, if I find one that's nice. But tonight I free camp. So basically, I just looked for some place that where it was not busy at all, and just put my tent there. Yeah, it'll be on the YouTube video, which will come in like a month. But you'll be able to see it if you're interested. Basically, I found a spot between two channels, like two water canals that are there to basically bring water to farmland. And so I was in the middle of some farmer farmland, far away from his home. He didn't even notice. It was just his dog barking a little bit at some point. And I didn't realize that there was a... But the house was quite far, but not far enough for the dog not to have spot me. YouTube channel, yeah. Yeah, there's a bunch of videos. Y a quelques vidéos à propos de d'Invader. Je suis en train de faire un round-up. Après, le truc, c'est que mes vidéos Invader, je les fais en anglais, par contre. Je ferai peut-être un jour les sous-titres si je me motive. Mais voilà. Bon, en tout cas, niveau Invader, c'est un peu terminé pour aujourd'hui. J'en suis navré. J'espère que vous avez apprécié. Going to lunch now. Pizza con biera or something else. Pizza con biera is gonna be... That's the plan. My stream up is very bad. I'm not even sure you're. Thanks for hanging here. I'm just gonna. Yeah. Are you guys able to see much? Or is it just completely messed up? I think it's completely messed up. I think I've come to like I've used all the data that my provider was allowing me to stream. So I'm gonna have to. Le montage de tes vidéos est super bien fait. Ah bon? Moi je trouve que je suis très très mauvais en montage, mais bon, c'est gentil. C'est gentil. J'essaye de travailler certains trucs, mais je fais très peu de transitions en fait. Et pour que ce soit un peu plus correct, il faudrait que je fasse chouette transition. Les transitions, je trouve ça soit kitsch, soit machin. Après, j'essaye de soigner l'audio sur mes transitions. Quand il y a des à-coups audio, ça je fais attention. Parce que mine de rien, sur la vidéo Invader en Magic. Ok. Ben c'est gentil. Apparemment, cette boutique a l'air populaire. Have you found all the evaders that you plan to find today? Almost. But the two last ones are outside of the town. They're in the port. And there's like 2 hours walking there. So I'm gonna take the motorbike and I'm probably not gonna do like a 10-minute live for it. Maybe I'll do it on Instagram. So check my Instagram and I'll show the invaders that I'm gonna get on Instagram. I'm gonna do an Instagram post with all the pictures I took, but later today, anyway. But yeah. Ah, l'introduction. Ok, ben c'est gentil en tout cas. Ça limite, ça remotive un peu pour refaire des trucs parce que j'ai. En fait, il y a que. Y a, y a,
y a mon frère notamment qui regarde mes vidéos, et mon frère il est dans la vidéo et je sais qu'il est capable de faire beaucoup mieux que moi. Mais et du coup c'est pas décourageant, mais disons que je mets pas énormément d'efforts dans... Je suis pas perfectionniste non plus. Mais bon, je fais mes trucs de temps en temps quand j'en trouve la motivation. Mais en tout cas merci, comme je dis, ça remotive un petit coup. Je sais que j'ai encore pas mal de vidéos à tourner, bah notamment à tourner, à monter. Bah notamment celle des Invaders à Marseille, où j'ai fait une journée mais complète. Je suis parti hyper tôt à moto. J'en ai fait un sur la route qui était sur la Côte d'Azur, qui avait été réactivé. Et puis j'ai fait, pas tous, mais j'en ai fait une bonne partie de tous les des nouveaux Invaders à Marseille. Ça m'a pris un certain temps. Alors, maybe for Sylvia, since I'm back on my feet, I can show you the ones that you missed that are on the way back. I don't know if you're able to see much because my thing... Oh no, okay, it's back. I guess there's like a very low networking spot over there. So you can see one there, Sylvia, that I've already done. Can you see it? Can you see it? Let me know in the comment if you can see it. It's right up there. There's like golden tiles on it. It's kind of nice. All right, so that's one. There's some others here and there, but I saw it. Yeah, well, that's one. If you get to see, like tomorrow, because you've been to Rome, and there very might well be some invaders in Rome that you passed by and you didn't see. So that would be fun to check out tomorrow. Maybe on the I'll do YouTube videos anyway, but because in the live video, oh, there's another one right up there that I've already checked twice. Every time someone, you've been to Venice only. Okay, I didn't know that you. I wasn't sure where you had been. I know you had been to Italy, but I didn't know it was only Venice. All right, so there's like another one right up there. It's a little less obvious, but you will probably be able to see it. He's gonna pass by behind. Right up there. Yes. Hey, I'm not just soon. Thank you. Merci en tout cas à tout le monde d'être passé. Thank you very much, everyone. Merci à tout le monde. Ça fait hyper plaisir. Il y a eu pas mal de monde. Je vois que ce concept aussi plaît. Parce qu'en soi, en jeu vidéo, je suis pas très. J'ai pas grand chose à dire quand je joue à des jeux vidéo la plupart du temps. Donc, de temps en temps, je stream des jeux vidéo, mais je pense pas que ce soit le contenu le plus intéressant que je sois capable de faire. Ce que je fais de mieux, c'est quand même de me balader dans des endroits improbables. Ou des endroits très probables et de faire des choses improbables un peu partout. Donc si ça vous plaît, si ça continue de fonctionner, je vais continuer à faire ce genre de truc. You are super late. Well, yeah, I've been you were probably busy doing something else, but I understand. It's still like late afternoon, now evening at your place. So you're probably busy. But yeah, like there's still the replay. Well, thank you. But have a lovely day. Yeah, thank you. You have a lovely evening too. Alright. Bon, moi je dois te laisser, j'ai mangé. Bah oui, moi aussi je vais aller manger de toute façon. Donc encore merci d'être passé. Je serai actif sur ton Discord pour discuter d'Invader et compagnie. J'aime beaucoup le sujet, donc au revoir. Au revoir tout le monde. Vous pouvez me voir dans le reflet vite fait. on se met devant les soutiens-gorge. Non, on va pas se mettre devant les soutiens-gorge et faire au revoir devant les soutiens-gorge. Ce serait weird. Est-ce que cette vitrine là serait peut-être un... Non, c'est des vêtements d'enfant, c'est encore pire. Tout à l'heure il y avait une vitrine
en mode truc. Bye bye. Goodbye, have a good one. I'm just gonna cut the stream now. Bon, bah du coup, merci encore de votre attention. Et à la prochaine. Est-ce que je peux pas faire un petit raid? Un petit raid des familles, qui c'est qui stream? Rob CD. Ah bah je vais vous envoyer. Bah non, mais Rob il a 2000 personnes en général, donc... Ah, Tokyo, Aftermath, Streamer Party, and... ouais. Ah bah je vais vous envoyer sur un gars qui stream à Tokyo, vu que je vais bientôt streamer à Tokyo. Comment c'est lui déjà? Shurikento. Est-ce que je peux faire un raid d'ici? Comment on fait un raid? Non, il n'y a pas moyen comme ça. Mais je peux le... Donc si je chope son Shurikento. Est-ce que je peux écrire? Ouais. Slash raid Shurikento. C'est bon? Ça marche ça?